Être cinéaste aujourd'hui, c'est avant tout être vivant, bien vivant, pour pouvoir filmer la vie, la faire partager au plus grand nombre et des fois au plus petit nombre. Voilà, c'est être curieux de tout, amoureux, et puis surtout d'une lucidité bienveillante pour que notre regard soit positif et pas négatif. Voilà. C'est le plus beau métier du monde, j'ai la chance de faire le plus beau métier du monde et je suis très très heureux aux ateliers de Beaune de pouvoir ouvrir cette porte à plein de jeunes talents. Voilà, c'est le plus beau métier du monde et être cinéaste aujourd'hui, c'est comme hier et avant-hier et comme demain, c'est être un homme qui n'a pas peur de sa peur. Quelle place pour l'indépendance et la diversité dans un cinéma mondialisé? C'est un vaste sujet que nous couvrirons en deux temps. Un premier débat sur ceux qui font les films, comment ils les financent, comment ils vivent cette mondialisation avec les invités qui sont ici. Et un deuxième débat où nous posons la question de la réglementation, du financement de cette grande révolution. Nous introduire dans ce grand sujet qui est cette révolution numérique et l'arrivée imminente des plateformes, nous avons demandé à un chercheur au CNRS, mais qui était également un professeur à HEC et qui est aussi un auteur de livres, à Thomas Paris, de nous faire une petite introduction. Thomas Paris. Merci beaucoup, bonjour. Alors, j'attends le... Alors, l'ARP m'a fait l'honneur de m'inviter à introduire cette deuxième session, donc je les remercie pour ça. Merci au président Radou, merci au délégué général Mathieu, d'introduire cette session en plantant le décor dans un timing assez serré, hein, j'ai pas énormément de temps, pour essayer de recenser l'ensemble des éléments, des événements dans le monde, dans le milieu du cinéma et dans les milieux connexes qui peuvent avoir une influence sur le cinéma dans son identité, dans son fonctionnement, dans son économie, dans sa dynamique à court terme, à moyen terme et à long terme. L'exercice est très stimulant, pas forcément facile, d'autant plus que ce matin beaucoup de choses ont été dites. Donc ce que je vais m'efforcer de faire, c'est faire dans la plus grande humilité un travail de monteur, c'est-à-dire je vais essayer de faire un grand tri parmi tous les éléments existants pour proposer un assemblage un peu particulier qui s'efforce de leur donner sens. Et tourne la planète cinéma, l'idée c'est que le cinéma, depuis 1895, a toujours évolué, a toujours vécu dans un environnement assez dynamique, ça a été rappelé ce matin, subi un certain nombre de chocs et s'en est toujours bien remis, avec même une extrême stabilité. Ça fait 122 ans que l'acte d'aller acheter un billet pour regarder un film, dans une salle obscure avec d'autres personnes est resté stable, est resté le même, et c'est une stabilité assez exceptionnelle comparée à beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres secteurs. Donc le cinéma a résisté à l'arrivée du parlant, a résisté à l'arrivée de la télévision, du magnétoscope, etc. Néanmoins, il me semble que ce qui se passe aujourd'hui traduit une forme d'accélération dans ce tourbillon qui entoure le cinéma, la consommation cinématographique, et que ce tourbillon est à même de peut-être mettre en péril un certain nombre d'éléments. Si on prend un peu de recul, on constate qu'il y a des éléments de stabilité assez forts, assez remarquables, hein. Enfin, deux films à 32 ans d'écart, à peu près la même affiche, qui traduisent qu'il y a toujours cette appétence, ce goût pour des histoires racontées, pour assister à un spectacle collectif dans une salle obscure. Donc il y a vraiment des éléments de stabilité. Il y a toujours des rebelles qui essayent de résister tant bien que mal à un empire, à la tentation hégémonique. Il y a ces éléments de stabilité. Mais derrière cette façade, un certain nombre de choses ont changé. Entre Star Wars 3 et le 7, donc encore une fois 32 ans se sont écoulés,
En 1983, le film avait une sortie internationale, mais qui était étendue sur 6 mois à peu près, c'est-à-dire qu'il sortait dans un pays, puis dans un autre, tranquillement. Quand aujourd'hui, le film a eu une sortie mondiale, excepté la Chine, où il est sorti quelques semaines après, une sortie massive sur plus de 1000 salles en France, très vite disponible sur Internet, donc la piraterie, et en DVD assez rapidement après. Et donc ce même film, si on peut dire, 32 ans après, réalisait $1 milliard de recettes en l'espace de 12 jours, donc une forme d'accélération. Si on élargit un petit peu la focale, le nombre d'entrées dans les salles en France il y a 32 ans et aujourd'hui est à peu près stable. Alors il y a eu un creux, c'est reparti, mais on avait 200 millions d'entrées, on a toujours 200 millions d'entrées, mais la structure des entrées a pas mal évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait sur les 10 films qui réalisaient le plus d'entrées, on n'avait que 3 films américains, Star Wars n'était que 5e. Aujourd'hui, quelques années après, on n'a plus que 2 films français, 8 films américains, donc les choses se sont inversées. Les 15-24 ans représentaient à peu près la moitié des entrées et ne représentent plus qu'un petit cinquième des entrées. On avait 164 films agréés pour 283 aujourd'hui. Donc quand même, un certain nombre de choses ont changé. Et puis évidemment, si on élargit encore la focale, là encore, un élément de stabilité apparente, puisque les recettes salles représentent à peu près le même pourcentage aujourd'hui qu'il y a 32 ans. La différence étant que le complément était assuré par la vidéo physique et qu'aujourd'hui, le complément est assuré par beaucoup d'autres moyens de générer des revenus et que la vidéo numérique, cette fois, ne représente que 13%. Et donc, entre les 13% et les 56%, ce sont d'autres modes de diffusion qui interviennent. On avait 5 chaînes de télévision en France qui passaient 475 films. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est de constater l'abondance dans laquelle on est rentré, avec 2500 films qui ont été diffusés à la télévision, plus tout ce qu'on peut trouver sur la VOD, plus tout ce qu'on peut trouver sur la SVOD, plus ce qu'on peut trouver sur Internet, de manière légale ou non. Et puis, dernier élément qui a radicalement transformé le paysage, la Chine. Donc la Chine avait déjà beaucoup d'entrées dans ces salles, mais c'était des entrées concentrées sur un petit nombre de films chinois. Les spectateurs chinois allaient voir énormément de films, allaient au cinéma assez régulièrement. C'était un marché très, très particulier, très local. Aujourd'hui, le marché chinois a beaucoup évolué. Ça représente le premier ou le deuxième marché au monde dans l'exploitation. Et puis, les acteurs chinois sont des acteurs majeurs. Voilà, derrière ces deux films qui ont été sortis à 32 ans d'écart, qui marquent une certaine stabilité, derrière montrent quand même qu'il y a eu des transformations assez majeures. Alors, si on essaye d'analyser ces transformations, évidemment, le schéma que vous voyez là n'est pas exhaustif, mais on voit apparaître trois éléments. Alors, ce que vous voyez là, c'est les chiffres d'affaires, grosso modo, en bleu, la partie strictement dédiée à l'activité cinéma, et rouge, c'est l'activité du conglomérat dans laquelle l'entreprise est inscrite. Ce qui frappe, évidemment, c'est la différence de taille et l'ouverture au monde dans lequel on est entré, c'est-à-dire qu'on était dans un monde dans lequel Canal+ était le pilier, alors pas en 83, mais après, du cinéma français, pendant des années, et que maintenant les frontières se sont ouvertes de facto, et que Canal+, à l'échelle des autres acteurs qui interviennent dans ce milieu-là, n'est qu'un tout petit acteur. Et ça, c'est le premier point marquant, c'est vraiment cette ouverture à des acteurs qui sont beaucoup plus gros, qui parfois ont des moyens considérables sur le cinéma, qui sont souvent liés à des activités qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le cinéma. Le cinéma n'est parfois pour eux qu'une activité, et souvent pour eux qu'une activité annexe. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et qui peut donner à comprendre un petit peu comment va s'opérer les transformations, c'est le rapport qui est en train de se jouer entre deux types d'économies très différentes. L'économie de la production de films, au sens historique traditionnel, qui est une économie de projet. On va développer un projet qu'on va essayer de rentabiliser. Et face à ça, des acteurs qui fonctionnent sur des économies radicalement différentes, qui sont des économies d'investissement massif, d'infrastructures, de coûts fixes énormes, qu'il s'agit de rentabiliser. Donc ce sont des acteurs qui ont une nécessité de rentabiliser des investissements, et donc pour lesquels les contenus, les films notamment, sont des moyens de rentabiliser ces investissements, valoriser leurs offres, et souvent des éléments d'une stratégie un peu plus globale.
La troisième caractéristique qu'on peut lire un peu dans ce schéma rapide, et là vous voyez aussi apparaître que les 200 millions d'euros qu'investissait Canal+, ou qu'investit Canal+, dans le cinéma français, aujourd'hui, il faut les mettre en comparaison avec les 6 milliards qu'annonce Netflix ou qu'annonce Amazon, et qui, eux, ont une présence dans 190 pays. Le troisième élément, qui va être assez structurel dans la compréhension de comment les choses peuvent évoluer, c'est que vont s'instaurer des films avec des économies très très différentes, donc des films faits selon les modes historiques classiques, c'est-à-dire un film qu'on va défendre, qu'on va essayer de porter au public, qu'on va élargir l'audience petit à petit, en s'appuyant d'abord sur un territoire, donc des films locaux pour caricaturer, et puis des films qui sont faits dans une logique un peu plus globale, avec une sortie massive à l'échelle internationale, des investissements en promotion énormes, et qu'il s'agit de rentabiliser très très vite. La difficulté étant que la cohabitation de ces films se fait sur les mêmes canaux de diffusion. Et ce qui se traduit, ce qui peut se traduire, et ce qui va sans doute se traduire par une accélération qu'on observe déjà, et ça a été rappelé ce matin, et par un risque d'étouffement de cette première catégorie de films par rapport à la deuxième. Et vraiment, l'idée de compétition sur des mêmes canaux de films qui ont des économies extrêmement différentes est un élément très important. Dernier élément notable, qui permet de comprendre un peu le contexte dans lequel on est maintenant, c'est que tout ça est associé à une extrême volatilité. C'est-à-dire que ce sont des décisions stratégiques qui sont prises par des acteurs mondiaux et qui peuvent avoir une influence extrêmement rapide, extrêmement importante sur l'ensemble de l'économie du cinéma français, du cinéma européen et du cinéma mondial. Et donc c'est des engagements de Netflix qui sont annoncés un jour, d'Amazon, la politique chinoise qui évolue du jour au lendemain. Et ça, c'est aussi quelque chose de très nouveau, cette extrême volatilité qui nous emmène dans un contexte sans doute un peu plus incertain. Pour terminer, de manière un peu plus générale, un peu plus globale que le cinéma, on est rentré sans doute dans une période où beaucoup de valeurs sont remises en cause, où il y a des tentations de repli, mais c'est sans doute aussi une période dans laquelle les volontarismes sont possibles à nouveau, donc ça s'est exprimé assez récemment dans le milieu de l'environnement, et peut-être que c'est l'occasion de l'exprimer aussi dans le milieu du cinéma. Et comme l'environnement, comme la planète, on peut essayer d'imaginer de make cinema great again. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas pour ce travail de fond depuis des années de réflexion. Je voudrais inscrire notre débat dans une perspective certainement politique, puisque nous avons parlé de la chronologie des médias en France ce matin. Là, nous allons nous intéresser à cette influence immense que vont avoir des grands groupes demain. Ça s'inscrit en tout cas en Europe, ça doit s'inscrire dans une réflexion politique beaucoup plus globale. Nous sommes à un moment très particulier où pour la première fois la France a fait passer, on en a parlé ce matin, cette directive SMA qui va changer beaucoup de choses, même si c'est juste un premier point d'ancrage dans cette réflexion. Il y a eu une base, 30%, 26%. Maintenant, à chaque pays de réfléchir et adapter ça à sa propre régulation. Mais on sent bien qu'avec le rendez-vous d'il y a deux semaines en Estonie sur la fiscalité des GAFA, se dessine là véritablement un monde nouveau qui s'approche et que nous allons devoir réguler. Et pour le réguler, il va évidemment falloir une véritable volonté politique, car ça ne se régulera pas tout seul, puisque là, nous sommes en face de mastodontes bien plus importants que ceux que nous connaissions avant. Donc, quelle est la place, comment c'est vécu aujourd'hui par des producteurs qui travaillent à l'international, en Europe ou ailleurs? Et puis surtout, comment nous, demain, nous allons pouvoir ouvrir des pistes pour trouver des solutions en face de ces nouveaux entrants? On a parlé de la chronologie ce matin, nous parlerons plus précisément de l'idée que nous faisons aujourd'hui, l'investissement des SMA. Et on pense que la direction à suivre est celle de Canal+, à savoir que ces nouveaux entrants vont devoir être vertueux, mais je vais préciser un petit peu à nouveau ces données, puisque le centre du débat pour nous, c'est l'indépendance et la diversité. Pourquoi cette indépendance? Pourquoi cette diversité? Parce que c'est la garantie de démocratie. Sans indépendance, sans diversité, il n'y a plus de démocratie. Donc on voudrait que ces nouveaux entrants participent
malgré eux, ou avec joie peut-être, on le verra, à cet exercice de démocratie que sont l'indépendance et la diversité. Et c'est pourquoi nous voudrions que nous pensions à une régulation des VMA, du SMA, de l'investissement des 26% dans la création sur le chiffre d'affaires. Le débat du chiffre d'affaires, on y reviendra, mais que dans ces 26%, une part importante soit dévolue au cinéma, je dis bien au cinéma, avec du préachat, de la diversité et de la pérennité. Voilà, nous pensons que si nous arrivons, nous, modèle français, qui a prouvé depuis longtemps ses vertus et qui est envié dans beaucoup de pays dans le monde, si nous parvenons, nous, dans cette régulation SMA, à ouvrir la porte à un investissement pérenne dans la diversité, peut-être nous ouvrons la porte sur d'autres pays européens qui pourraient y voir là, des pays qui aujourd'hui ne sont plus producteurs et qui regardent ça de loin, qui sont consommateurs d'images, peut-être qu'ils pourraient y voir une lumière d'arrivée financière nouvelle qui leur permettrait de se réapproprier leur cinéma, car en se réappropriant leur cinéma, en refaisant leur cinéma, ils se réapproprient leur propre image. Or, nous pensons et nous savons que l'image est fondatrice pour exister, surtout pour des pays dont l'image s'est un petit peu éteinte, qui ont eu des passés très compliqués. Moi, je rêverais que cet aménagement du SMA permette à des pays qui n'ont plus de cinéma de renaître, de revivre sur un exemple français. Mais avant d'arriver sur l'Europe et sur la France, nous avons la chance d'avoir des invités nombreux et variés. Jean-Paul va prendre la parole. Exactement. Alors, déjà, je voulais évidemment vous dire que ce matin, tous les intervenants qui pouvaient exprimer leur point de vue malgré leurs différences étaient présents, ce qui malheureusement n'est pas le cas cet après-midi. Pour exemple, évidemment, nous avons invité, et l'ARP a invité depuis le début, des gens de Netflix et Amazon qui n'ont pas donner suite et qui n'ont pas souhaité être ici. Donc ça va être un peu plus compliqué vu qu'on va parler de gens qui seront un peu absents. Donc je vais vous présenter les gens qui sont avec nous, bel et bien là, et je les en remercie. Donc d'abord évidemment notre présidente de ces rencontres et la réalisatrice Denise Gabsé-Erguven, qui réalisatrice de Mustang et d'un deuxième film Kings qui sortira bientôt et qui justement, comme elle l'a expliqué ce matin, se situe dans un exemple type de la création mondialisée en partant de la France. Nous avons avec nous Charles Rifkin qui nous fait l'honneur de faire son premier voyage à l'international à l'étranger en tant que président de la MPA qui précédemment était ambassadeur des USA à Paris, donc il prendra la parole tout à l'heure. Je le remercie pour ce premier déplacement. Nous avons David Kessler, directeur général d'Orange Studio et Orange Content, qui donc est un acteur extrêmement actif dans la production, dans la diffusion, et pas seulement en France, parce que Orange est quand même une marque leader, y compris et principalement dans le continent africain, ce qui à un moment donné va aussi être un tremplin pour le cinéma francophone. Saïd Ben Saïd, producteur de SBS Productions et aussi distributeur avec SBS Distribution, donc qui, comme ça, suit ses films sur toute la ligne et qui aussi produit évidemment des films français, mais qui est un des producteurs français qui est tourné vers l'international. Je pense qu'il a commencé comme ça à l'international et ça lui a donné ses chromosomes pour aller dans ce type de production. Nous aurions dû avoir avec nous ici, et ensuite nous avions espéré par Skype, un ami chinois, Monsieur Jeffrey Chand, mais qui est inaccessible en Corée du Sud, qui a annulé hier son voyage. On devait essayer de lui parler par Skype et nous n'y sommes pas arrivés. Nous essaierons quand même de faire un petit point sur la Chine tout à l'heure. Bon, voilà notre panel. Excuse-moi Marie, mais oui... Et Marie Masmontel. Là, ça y est, je vais me faire taper sur les doigts et tu auras raison. Et Marie Masmontel, excuse-moi, productrice française et qui aussi produit des films autres que des films 100% français. Voilà, c'était ce qui nous intéressait d'avoir dans ce panel des gens de France mais qui sont ouverts sur l'international. Encore mille excuses. Et donc nous allons ouvrir ce débat avec Charles Rifkin, président de la MPAA, mais dont je dois préciser, en plus de ce qu'a dit Jean-Paul, que vous avez un profil
très particulier, puisque vous avez commencé en étant producteur, enfin vous dirigez, vous étiez vraiment les mains dans le cambouis, comme on dit chez nous, vous étiez dans la fabrication des œuvres, puis vous êtes tourné vers la politique, puis vous êtes devenu ambassadeur, et puis vous êtes revenu à la MPA, ce qui est vraiment un profil tout à fait passionnant, et j'ai le plaisir de vous donner la parole. Alors, bonjour à tous. Monsieur le sénateur, dirigeant et représentant du cinéma français, mesdames, messieurs, c'est pour moi un immense plaisir d'être de retour en France, un endroit où j'ai eu le grand honneur de me sentir comme chez moi. Et je remercie aussi Denise Gams et Erguven pour tout ce que vous faites en tant que présidente des rencontres. Et je remercie aussi toute l'équipe de l'ARP et plus particulièrement son président Radu Mihaïnou et son délégué général Mathieu Dubouchère. Il s'agit de mon premier voyage en Europe en qualité de PDG, comme vous avez dit, de la Motion Picture Association, et je n'aurais pu rêver d'un premier événement public plus important de ce côté de l'Atlantique. La France et sa culture occupe un endroit de choix dans mon cœur, et je garde des souvenirs émouvants de mes années en tant qu'ambassadeur des États-Unis, ici en France et à Monaco. Et je visitais chaque année alors le Festival international du film d'animation d'Annecy, et je me rendais aussi au Festival du film américain de Deauville. Il y avait beaucoup d'autres rendez-vous que j'affectionnais tant. Ce secteur d'activité, lui aussi, je le porte dans mon cœur. C'est là où tout a commencé pour moi. Il y a de cela 30 ans, et tout au long de ma carrière, j'ai vu ce secteur grandir. J'étais témoin au premier rang du pouvoir du cinéma et de la télévision à transcender les frontières pour informer et pour inspirer. Je comprends combien il est essentiel, d'un point de vue commercial, de protéger les idées, l'innovation et cette créativité à laquelle nous devons tant, y compris le financement de nos œuvres, le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et certains d'entre vous auraient bien sûr fait le lien entre ces mots et mes années passées auprès de la Jim Henson Company et de Wild Brain Entertainment. Et Jim Henson, justement, homme qui créa les célèbres Muppets, et avec lequel j'ai eu la très grande chance de travailler très tôt dans ma carrière, avait pour habitude de dire, et je cite, « Les médias, il a dit, utilisent à bon escient, peuvent être une énorme source de bien dans le monde. » Et la France partage une longue histoire avec l'art et le cinéma, c'est une évidence. Et je ne vais pas ressortir dans ce lieu et devant vous l'histoire des frères Lumière, mais je ne peux m'empêcher de leur rendre hommage quand même, même si les Américains Edison fait aussi partie de l'histoire. Mais ce que l'on sait, parfois moins, c'est le lien cinématographique qui historiquement unit nos deux nations. Les films nous rapprochent au travers de leur art. Par exemple, prenez le film « Marius », écrit par Marcel Pagnol. Il a été distribué en France et aux États-Unis par Paramount Pictures en 1931 et en 1933, respectivement. Et c'est là un parfait exemple de la longue relation entre les industries cinématographiques françaises et américaines. Enfin, comment ne pas avoir une pensée pour Jack Valenti, qui était ici plusieurs fois, lorsqu'il était PDG de la MPAA, visité fréquemment en France, où il a contribué à la création du prix Michel Dornano, une récompense donnée par les fonds culturels franco-américains à un réalisateur français se distinguant par un premier film. Jack souhaitait que ce réalisateur, par ce prix, soit plus largement reconnu, promu et distribué. Les industries américaines et européennes ont connu leurs différences dans le passé, bien sûr, et celles-ci furent le sujet de débats très engagés ici en Bourgogne. Et nous connaîtrons encore probablement des différences à l'avenir.
Mais maintenant, comme vous avez dit, plus que jamais, nous sommes unis par de solides intérêts communs. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement souligner 4 points. Tout d'abord, nous avons tous à cœur de raconter de grandes et belles histoires, et notamment des histoires européennes. Vous m'avez invité cet après-midi pour participer à les discussions autour du financement. Et dans ce contexte, il faut se rappeler que les studios américains et les cinéastes européens ont œuvré ensemble sur de nombreux films ces dernières années. Ils ont ainsi soutenu ensemble des histoires locales, des auteurs locaux, des sociétés locales, et tout cela en portant leurs films sur l'écran d'ici et du monde entier, contribuant par là à la diversité du cinéma au travers de l'Union européenne. Il va sans dire que cette diversité existerait sans notre investissement, car nous ne sommes bien entendu qu'une petite partie d'une bien plus grande histoire. Mais ce que je voudrais partager par ces mots, c'est que dorénavant, quand vous penserez à la MPA, ne pensez plus seulement aux blockbusters hollywoodiens. Il y a toute une facette de notre champ d'activité dont nous sommes très très fiers. Et je parle évidemment des partenariats au niveau européen. Et ces partenariats englobent toute une gamme de configurations possibles, d'importants tournages, aux investissements dans les licences ou les acquisitions de droits, en passant par la post-production. En règle générale, ceux-ci ont augmenté de manière impressionnante ces dernières années. Par exemple, au cours des 25 dernières années, les compagnies membres de la MPA ont créé des partenariats et ont abouti en plus de 200 films locaux en Europe. Récemment, il y a eu le film de Faith Akin, In the Fade, produit par Bombero International, en coproduction avec Warner Brothers Film Productions Germany, Makassar et Corazon International et Pathé. Et ce chef-d'œuvre qui marque aussi le grand retour de Diane Kruger dans son premier grand rôle dans un film en allemand. Encore une fois, il ne s'agit bien entendu qu'une petite partie de toutes les productions qui se font en Europe. Cependant, cette petite partie a grandi des dernières années. Et de plus, des 5 dernières années, les membres de la MPA ont acquis les droits de distribution de 800 autres films locaux. 800. Et depuis plus de 2 décennies, des sociétés de production américaines ont participé à la production de plus de 500 séries TV locales, en partenariat avec des sociétés de production européennes. Voilà comment les membres de la MPAA détiennent un record bien clair en tant que partenaire du cinéma européen, et nous sommes résolument engagés à faire fructifier ces partenariats. Et par exemple, ici en France, les Fonds culturels franco-américains a été créé en 1916 avec pour l'objectif de promouvoir le cinéma français et d'en restaurer le patrimoine, de développer des liens avec les distributeurs américains et de faciliter l'accès au marché nord-américain pour de nombreux cinéastes et producteurs français. Le fonds participe aussi à des actions visant à stimuler et renforcer les opportunités pour les professionnels américains et français de se rencontrer autour de leur œuvre et de discuter de leurs préoccupations, qu'elles soient techniques, artistiques ou relatives aux politiques culturelles. Il y a déjà des jeunes, il a déjà reconnu des jeunes talents, comme par exemple Léonore Sevaille, je pense qu'elle est ici parmi nous aujourd'hui. Et en deuxième point, je voudrais souligner que nous avons un intérêt en commun à pouvoir décider nous-mêmes du financement de nos œuvres. Au début de toute discussion sur le financement, dans le contexte actuel, nous devons reconnaître que nous ne savons pas exactement de quoi l'avenir sera fait. La seule certitude, en fait, et l'incertitude. Et cela signifie que chacun de nous, dans cette salle, devra faire preuve de souplesse pour définir un système optimal de licence pour nos œuvres sur les marchés européens et mondiaux.
Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous nous battons côte à côte au niveau de l'Union européenne pour préserver notre liberté de céder des licences territoriales de manière exclusive. Et j'ai personnellement géré une société de production qui s'appuyait précisément sur des préventes territoriales exclusives. Je sais donc très bien que l'exclusivité est la sève de notre industrie. Et ces questions de liberté commerciale sont rendues plus pertinentes par la croissance des exportations françaises. Des données récemment publiées par le CNC ont confirmé un record historique pour les exportations audiovisuelles françaises. En 2016, les ventes de programmes ont progressé de 15%, obtenant le meilleur niveau depuis que ces chiffres sont collectés même. Et dans cette lutte de tous les jours menée à Bruxelles, à Strasbourg et dans les capitales européennes, je tiens ici à rendre un hommage appuyé à la France et son leadership. Je ne ferai ici référence qu'aux précieuses déclarations dont vous êtes tous familiers, signées par la France avec l'Espagne, mais aussi avec l'Italie, sur la protection de la territorialité du droit d'auteur. En troisième point, il y a bien entendu notre intérêt commun à lutter contre la piraterie. On ne peut pas discuter du financement des œuvres cinématographiques sans faire référence à l'éléphant dans la pièce, si vous voulez. Et par là, je veux dire l'exploitation illégale, la piraterie, qui fait une soustraction automatique et de façon tout à fait injuste à la capacité de financement. La piraterie est un très grave problème d'ordre mondial. Il s'agit d'un très large marché noir, sophistiqué, qui génère des revenus considérables en graissant des sociétés illégales, tout en menaçant la viabilité de millions d'emplois et en sabordant le marché légal des œuvres créatives. On estime que l'année dernière, il y a eu 21,4 milliards de visites vers des sites pirates de streaming à travers le monde, à la fois sur ordinateur personnel et appareil portable. Cet intérêt commun à protéger les œuvres à l'échelle mondiale est la raison pour laquelle, le 30 juin dernier, 30 des plus gros créateurs de contenu ont créé ACE, The Alliance for Creativity and Entertainment. ACE est une coalition mondiale qui unit les créateurs qui partagent tous un intérêt à assurer une croissance saine du marché légal des contenus créatifs. ACE les unit dans un effort commun pour endiguer la piraterie en ligne, et la coalition offre une dimension importante pour appréhendre le problème. Il agit en complément des autres efforts en cours pour réduire la piraterie en ligne. Plusieurs représentants du secteur audiovisuel européen se trouvent dans la liste des membres de ACE, y compris BBC, Canal+, Constantin Film, SF Studios et Studio Babelsberg. Et comme vous le savez certainement, cette lutte n'est plus désormais le privilège des acteurs dits traditionnels. Netflix et Amazon ont eux aussi rejoint ACE. Les plateformes, mesdames, messieurs, se réveillent. Travaillons ensemble pour les garder éveillés et prêts à lutter contre cette menace. Et enfin, mon dernier point est que nous avons un intérêt commun à nous saisir l'avenir du cinéma. La notion selon laquelle seules les plateformes sont innovantes et que nous ne le sommes pas est un mythe auquel nous devons nous employer ensemble à mettre fin. Depuis son premier film, il y a plus d'un siècle, l'industrie cinématographique a été à la pointe du divertissement et de l'innovation. Nous disposons de technologies dont les créateurs et les exploitants de salles n'auraient pas pu imaginer l'existence même il y a 10 ou 15 ans de cela. Et l'avenir nous en réserve encore davantage. En effet, je suis ici, dans une salle remplie d'innovateurs, et nous avons le droit d'être respectés en tant qu'industrie numérique. J'ai eu le grand plaisir de visiter les studios Illumination MacGuff hier, en passant par Paris, sur mon chemin vers Gijon. Illumination MacGuff, qui est bien entendu connue pour ses chefs-d'œuvre d'animation pleins d'innovation,
comme la série de « Moi, moche et méchant » ou « Comme des bêtes ». Et à ce sujet, je me dois de féliciter la France, car selon des chiffres récemment publiés par le CNC, les ventes de programmes audiovisuels français d'animation à l'étranger atteignent un niveau historique. En 2016, 6 films d'animation français inédits connaissent une sortie l'international et 32 films d'animation sont exploités dans les salles étrangères. Et nous sommes des innovateurs et le marché unique numérique devrait être notre marché. Il devrait être adapté aux besoins de notre industrie et j'y inclus la nécessité d'exclusivité territoriale pour le financement et le recoupement d'investissements. Les grandes plateformes numériques devraient être encouragées à travailler mieux avec nous dans la lutte contre la piraterie plutôt que de tirer bénéfice de ce fléau. Nous ne devons pas oublier que l'avenir n'appartient pas qu'au streaming. Grâce aux innovations dans la production, l'exploitation et la distribution, la salle reste la plus fabuleuse manière d'apprécier la magie du cinéma. Et laissez-moi conclure avec ces quelques mots. Pendant plus d'un siècle, les cinéastes européens ont eu un rôle vital dans la transformation de cet art en l'outil culturel et social qu'il est aujourd'hui. Et le cinéma français continue d'être l'une des plus incroyables forces créatives mondiales. L'histoire du cinéma français et américain est riche de grands films, à la fois historiques et divertissants. Ils font partie intégrante de la mémoire collective, de nos deux pays. Et je me réjouis de travailler avec vous, de poser sur ce passé une modeste brique pour l'avenir. Et dans cet avenir, je prédis que nous ne serons pas toujours d'accord. Et j'espère que ce forum nous aidera à mieux nous comprendre. Mais au-delà, j'espère que ça sera un forum par lequel nous finirons par comprendre l'importance de nos intérêts communs et que nous continuerons à travailler ensemble pour les faire prospérer. Je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo pour avoir fait tout ce discours en français parce que peu de nous serions capables de faire la même chose dans votre langue. Je me tourne vers Denise. Comment une jeune réalisatrice, après son deuxième film, se sent dans cette mondialisation et quelle est votre place ? J'étais particulièrement touchée que notre ministre, pour clore son discours, Édouard Glissant, et parle du concept de mondialité plus que de mondialisation. Parce que c'est ce concept-là qui nous définit, selon moi, dans notre époque. C'est-à-dire que nous sommes, de fait, de plus en plus métissés. Comme je le disais ce matin, on voyage beaucoup, on est imprégné de cultures très différentes, on fait des rencontres très différentes. Et ce mélange-là, il faut que la production de films puisse l'embrasser à son tour. Et donc, les points sur lesquels je voulais revenir étaient veiller à ce que les règles de production, comme je disais, ne créent pas un modèle de film. Je voudrais prendre les exemples de deux films. Mon premier projet de long métrage qu'on vient de terminer, donc Kings, qui est un film en langue anglaise qui se déroule à South Central Los Angeles, et Augustine, le premier long métrage de Alice Winocourt. Ce qu'ils ont en commun, ces deux films, c'est que les deux nous ont pris 10 années. Ça nous a pris une décennie à chaque fois pour permettre à ces films de voir le jour. Et on avait toutes les deux des problématiques communes, c'est qu'ils avaient quelque chose d'un peu fou, ces deux projets, alors qu'ils n'ont absolument rien de si exceptionnel que ça, à part le fait que c'est des films qui ne sont pas pensés pour être tournés dans les environnements qui nous sont les plus familiers.
Et cette espèce de marquage de folie-là, je trouve que ça devrait être la norme. Parce que quand on parle de l'arrivée de ces grands acteurs qui arrivent et qui sont des espèces de géants financiers, ils sont aussi munis. Et en même temps, il faut que je le dise tout de suite, enfin, j'ai l'impression d'avoir une double vie parce que je leur parle. Je suis assez souvent en contact avec justement ces grands acteurs-là et qui rencontrent un peu tout le monde. Et je serais tout à fait susceptible d'avoir des projets en commun avec eux. Mais ce que je peux dire, c'est que... Ah, pardon. Ça va mieux ? Donc, en fait, une chose qui est assez marquante, c'est qu'ils arrivent aussi avec un espace de liberté créative énorme. Et que, d'une certaine manière, on avait le sentiment que le cinéma américain était en train de s'installer dans quelque chose d'extrêmement répétitif, que les productions américaines prenaient de moins en moins de risques. Et comme je disais ce matin, quand ces nouveaux acteurs sont arrivés, tout le monde a un tout petit peu frémi en se demandant mais qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils font des choses extrêmement bien. Et ils ouvrent des espaces de liberté fous. Enfin, moi, je trouve qu'une des meilleures productions de ces dernières années, c'est Transparent. Et à la fois, c'est une série qui contient des grandes idées de cinéma, qui nous ouvre des perspectives sur des mondes qu'on ne connaît pas forcément, qu'est-ce que c'est que la vie d'un transgenre au quotidien et tout ça, et qui fait presque un espèce de travail d'éducation civique, d'une certaine manière, et nous rend plus intelligents, plus informés et tout ça. Et donc, je crois que ce qu'il faut qu'on cultive, à part le versant de la médaille, qui est effectivement de se ressaisir en termes économiques et de se réorganiser, parce que ça change nos modes d'organisation, de production et tout ça, l'autre versant, c'est le versant créatif qu'il faut qu'on soigne particulièrement. Et alors, pour les deux premiers longs-métrages dont j'évoquais, ils étaient non seulement impossibles, mais j'ai eu une espèce d'injonction pendant des années et des années de faire un film qui me ressemble. Donc, en gros, on m'a toujours dit, pourquoi est-ce que tu veux faire un film sur des Afro-Américains? C'est pas ton histoire, c'est pas ta langue, c'est pas machin. Alors, si on avait dit la même chose en littérature, il n'y aurait rien d'autre sur une étagère que des autobiographies, de l'autofiction, des choses comme ça. Pour moi, la fiction, c'est l'autre. Et je suis vraiment sérieusement fatiguée d'entendre cette espèce d'injonction de fais ton film sur ta pomme parce que c'est ce que tu connais le mieux. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fini par faire. Je me suis dit, alors si c'est comme ça, je vais faire un film. Bon, d'abord, ça va parler de mon enfance, des filles qui me ressemblent, qui parlent comme moi. Et ça a été la seule chose que j'ai réussi à mettre sur pied en termes de production de film. Donc, je pense que c'est très important qu'on puisse te dire que, non, en fait, on est censé pouvoir penser, comme le font aujourd'hui Amazon, Netflix, a potentiellement une série sur Mars, a une série dans un sous-marin, un film sur Mars, un film dans un sous-marin, un film sur tous les continents possibles. Et je voudrais spécifiquement donner un regard sur. Bon, on a fini par réussir à faire Kings parce que Mustang et la vie de Mustang nous ont ouvert des portes qui étaient fermées pendant si longtemps. Et je voulais noter ce qui me semble vraiment... C'est des points de détail, mais c'est très, très, très vital. Nos modes, on se protège d'une certaine manière du cinéma hollywoodien. Il n'existe pas d'accord de coproduction entre les États-Unis et la France, et comme avec le Japon. Mais il se trouve que du coup, pour des cinéastes européens d'aller faire un film aux États-Unis, ça représente littéralement une espèce de triangle des Bermudes de la production. Et non seulement ça veut dire que le cinéma américain est assez contraignant pour nous, et puis les budgets que nous on peut mettre sur pied sont quand même assez faibles par rapport au budget des films américains, mais il me semble très important qu'on n'ajoute pas, nous, en termes de production européenne, des contraintes supplémentaires. C'est-à-dire que l'espèce d'effort à la Iwo Jima que je décrivais, qu'on a eu sur Mustang, par exemple, Mustang a été, la pierre angulaire de Mustang avait été l'aide du CNC, et on a été porté à bout de bras jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de la course des Oscars, par le CNC, par Unifrance, donc j'ai vraiment, même les couturiers français, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'écor collectif de on va mettre le drapeau, et qui était très beau. Et je pense qu'on a vraiment besoin de cet effort créatif en production aussi. Alors, le point de détail, c'est que pour qu'un film soit considéré de nationalité européenne, il faut que tout un tas qu'on respecte un certain barème que vous connaissez tous, mais ce barème touche sur certains points des décisions qui sont trop au cœur du film. C'est-à-dire que pour que Kings soit considéré comme un film européen, alors Kings et Mustang avaient la même équipe, enfin, c'est-à-dire les mêmes directeurs de département. Et ce que je disais aussi ce matin, c'est qu'un film, par exemple, généré par Hollywood, est
quel, où qu'il soit tourné, un film hollywoodien. Et pour nous, ça devrait être un peu la même chose. Et c'était à un cheveu près, c'est-à-dire que le film était considéré comme européen si jamais j'avais un acteur, un des deux rôles principaux, qui était soit non professionnel, soit européen. Et alors, ce genre de contraintes sont, touchent au cœur du film. C'est-à-dire que sur les 30 000 décisions qu'un réalisateur doit prendre, qui sont fondamentales, il y en a une qui est plus importante que toutes les autres, c'est le casting. Et je trouve que d'avoir des contraintes de production à l'endroit du casting est extrêmement dangereux. Et pour moi, ça a été le cas sur les deux films. C'est-à-dire que sur Mustang, j'ai eu une obligation de coproduction qui visait, je devais avoir deux acteurs allemands dans le film. À chaque fois, ça veut dire que bon, c'est les pires contraintes du monde. Et sur Kings, j'avais un des deux rôles principaux qui était un peu une contrainte. Et ça, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement destructeur. Et je voulais profiter de mon expérience pour le dire, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on, un problème à adresser. Voilà. Merci pour ce formidable témoignage. Vécu de l'intérieur, de la réalisation, de la création, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui parle aussi précisément de son rapport à l'œuvre et dans une coproduction. Je passe maintenant la parole à Saïd Ben Saïd, qui va nous raconter, lui, son expérience, comment il s'est retrouvé, notamment producteur de Elle, film de Verhoeven qui a eu tant de récompenses. Oui, ça marche. Oui, ma problématique a toujours été internationale, de sorte que je me suis toujours considéré comme un producteur français, indépendant, dont la géographie serait celle du cinéma indépendant international. Et il y a 7 ans, quand j'ai créé ma société SBS Productions, j'ai eu la chance de démarrer avec le film de Roman Polanski, Carnage, et ce film m'a tout de suite donné une place sur ce territoire. Et également, je suis devenu visible, j'ai acquis une visibilité aussi bien sur le marché international qu'à Los Angeles auprès des principales agences artistiques. Pourquoi ? J'ai même remarqué que je suscitais un très léger intérêt pour ces agences à un moment, on est en 2010-2012, où les studios produisent des films de plus en plus chers, de plus en plus calibrés, qui répètent à l'infini les mêmes formules, et à un moment où le marché international est vraiment en chute libre, les prix s'effondrent au Japon, s'effondrent en Espagne, s'effondrent en Italie. Et donc, à ce moment-là, le cinéma indépendant américain se porte très très mal. Et on se retrouve avec des cinéastes très importants, dont les projets ne répondent pas uniquement aux seules lois du marché, et ces cinéastes sont sans travail. Brian De Palma, Paul Verhoeven, Peter Weir, donc des cinéastes qui m'intéressent tout de suite, puisque ce sont des cinéastes que j'admire beaucoup, et qui ont la particularité d'avoir soit un passeport européen, soit un passeport australien, pour le cas de Peter Weir, sachant qu'on peut construire des coproductions entre la France et l'Australie. Donc, je me mets à ce moment-là à beaucoup voyager, à aller rencontrer des cinéastes. Et c'est une période assez féconde, puisqu'elle elle me libère un petit peu du système de valeurs et des cadres de pensée du cinéma français à un moment où j'en avais le plus besoin. Et à ce moment-là, j'essaye de construire, je cherche une place, disons, de producteur transnational en essayant de construire des filiations avec des producteurs qui sont passés avant moi et que j'admire beaucoup. Le plus important étant Jeremy Thomas, je crois. Jeremy Thomas est un producteur anglais qui a su créer très tôt des liens
entre l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis. Et il a su ouvrir des pistes et ouvrir des voies. Et j'ai tant bien que mal trouvé ma voie en suivant la sienne, mais je peux aussi citer le cas de nombreux cinéastes. Barbet Schroeder, Volker Schlondorf, Wim Wenders, Olivier Assayas, d'ailleurs, très récemment. Et mon idée, elle est toute simple, elle est de mettre à profit de ces cinéastes étrangers les dispositifs de financement du cinéma européen, tout simplement, et notamment du cinéma français. Et c'est comme ça que j'arrive à produire Passion de Brian De Palma, c'est comme ça que j'arrive à mettre... Mais ce n'est pas uniquement des films de langue anglaise, il y a aussi des films, un film brésilien. En fait, Jeremy Thomas m'a beaucoup inspiré. Jeremy Thomas avait produit non seulement Nicolas Rogue à ses débuts, il a produit Nagisa Oshima, il a produit Cronenberg, il a produit Bertolucci. Voilà, c'est assez. Finalement, elle est assez banale, mon expérience, assez rapide à raconter. Alors, aujourd'hui, le contexte, le monde a changé, évidemment, depuis les débuts de Jeremy Thomas. Le marché n'est plus le même. Mais je trouve que l'arrivée d'acteurs comme Netflix, comme Amazon et notamment Amazon Studios, pour moi c'est un événement qui est très excitant. Pourquoi ? Parce que si on regarde un peu l'activité d'Amazon, on voit que c'est une société. Le graphique qu'on a vu tout à l'heure l'a montré. Beaucoup plus importante que presque toutes les majors réunies. Et pourtant, il crée une structure en faisant venir Ted Hope, ex-producteur de Ang Lee, ex-producteur de Todd Haynes, Scott Fondas, ancien critique de Variety, l'un des anciens membres du comité du Festival de New York. Et ils ne produisent pas des films de majors. Ils produisent des films de Woody Allen, des films de Spike Lee, des films de Todd Haynes. Et évidemment, ce n'est pas leur cœur de métier de faire le travail des majors. Mais on se dit, c'est probablement très passager. C'est certainement très publicitaire de leur part. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Je ne sais pas quoi en penser encore. Je suis comme vous, je regarde ce qui est en train de se passer. J'essaye de travailler avec eux, j'essaye de travailler avec Netflix. J'ai travaillé d'ailleurs avec Netflix sur le film de Kleberman de Safio. Et je vais probablement renouveler l'expérience sur un film israélien que je produis actuellement. Mais moi, on vit un tournant. Alors, je comprends qu'on le regarde avec beaucoup d'inquiétude. Moi, je le vois avec beaucoup d'excitation et d'enthousiasme, voilà. Je voudrais juste faire merci Saïd Ben Saïd. Je trouve ça, il est évident que Amazon vous a approché, on a approché un certain nombre d'entre nous, mais pas au point de venir discuter avec nous cet après-midi en tout cas. Voilà, ça c'est intéressant parce que ça raconte quelque chose. Je ne sais pas, chez Amazon il y a plusieurs. Mais il y a la plateforme pure et dure. Et moi, j'ai aussi du mal à leur parler. Ils ne me parlent pas toujours. Ils écrivent des mails. Et il y a le studio de cinéma. Alors là, on peut leur parler très facilement. Cela dit, je ne sais pas pourquoi je me mets à défendre Amazon. et est-ce que tu peux nous dire aussi assez rapidement comment tu as travaillé avec Netflix, justement ? Comment ? entendu, c'est vrai. Comment tu as travaillé avec Netflix ou comment tu travailles avec Netflix? Je les invite à voir le film et ou alors je leur envoie des scénarios.
Puis, alors, Netflix est une pure plateforme. Ils sont vraiment dans un business de la quantité, c'est-à-dire qu'ils achètent absolument tout ce qui passe. J'ai travaillé avec eux une fois, j'espère une deuxième bientôt. Alors le modèle de deal que j'ai réussi à avoir, je crois que j'ai une clause de confidentialité, non, mais bon, pas, c'est en fait un deal multi-territoire, oui. avec une fenêtre vraiment réservée à la SVOD. Et à côté de cela, on peut exploiter le film comme on veut, sauf sur la pay-TV. Donc mais il y a des sorties salles prévues. Comment ? Il y a eu des sorties salles sur quasiment tous les territoires où le film a été vendu, oui. Voilà, on continue à te mettre sur le grill, parce que comme tu es un précurseur, il y a aussi avec Atlis, tu es un des premiers, voire le premier film français. Je suis le premier producteur à avoir signé avec Altice. Bon, eh bien merci. Mais ça, c'est pas un scoop. Tout le monde le sait. Alors, Marie, je ne t'oublie pas. Justement, Marie, toi aussi qui produis et coproduis des films dans cette catégorie, c'est-à-dire à partir de la France, mais avec des auteurs internationaux, comment tu le vis et comment le vit un producteur français par rapport à la réglementation ? Est-ce que la réglementation actuelle ou future t'aide, te contraint, va t'empêcher ou va t'aider ? En fait, je voulais... Parce que parfois, on a tendance à être angoissés, nous, les producteurs français, ou se plaindre, et je voulais prendre le contre-pied et dire, par cette phrase de départ, « Heureux comme un producteur de films du monde en France ». Je pense que vraiment, on a une chance incroyable en France de pouvoir produire des films de tous les pays du monde en coproduction, puisqu'il y a environ 57 accords de coproduction, à la notable exception des États-Unis, on pourra en reparler, et d'être dans un pays qui ménage une biosphère aussi extraordinaire pour pouvoir, comme l'a dit Denise ce matin et tout à l'heure, sortir de nos frontières. Juste un petit chiffre, l'année dernière ont été produits 283 films français et européens, mais enfin agréés en France, dont 124 films qui étaient des copros internationales et dont... à l'intérieur de ces 124 films, il y avait 62 films minoritaires français. Donc je pense que ces minoritaires français, c'était des films non tournés en langue française et vraisemblablement tournés à l'étranger. Et du coup, c'est bien les rencontres de l'art, parce que j'ai fait un petit récapitulatif de mes 7 derniers films produits sur 2 ans. Il y avait un seul film franco-français tourné en France et les 6 autres étaient des films de coproduction internationale dont 4 films qui étaient des premiers films. Donc je suis un peu à l'autre bout du spectre de Saïd, c'est-à-dire que, à part l'expérience, mais ça c'est plus ancien, que j'ai eu avec Radou, puisqu'avec Radou nous avons produit ensemble d'ailleurs 2 films en Israël et au Maroc, dont le film marocain en langue arabe, ce qui n'était pas forcément simple. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les premiers films que j'ai pu produire en coproduction minoritaire ou majoritaire, c'était des films palestiniens, Je danserai si je veux, qui est sorti il y a un an, qui a fait 120 000 entrées France et qui depuis a été acheté par Canal, une jeune réalisatrice palestinienne, mais produite par Israël. Un film indien, un second film d'une réalisatrice qui s'appelle Nandita Das, qu'on a coproduit grâce à l'aide au cinéma du monde. Et un autre film éthiopien-israélien, bon, c'est vrai qu'on a un peu une tendance israélienne dans mes deux sociétés de production, Elsevier et En compagnie des Lamas, un film qui vient dont le tournage vient de s'achever en Éthiopie. Donc effectivement, évidemment, le seul film français que j'ai produit dans toutes ces 2 années, c'était un film à moins d'un million. Donc c'était peut-être celui qui était le moins cher de tous, et donc on peut rebondir sur les difficultés qu'on peut avoir et trouver à produire des films franco-français. Mais vous voyez, la chance qu'on a, il faut quand même le redire, la chance qu'on a de pouvoir être ouvert au cinéma du monde, d'accompagner des auteurs qui n'ont pas la chance d'avoir des systèmes de régulation aussi complexes et généreux que le nôtre.
Et c'est vrai que ça peut être un peu glorieux de dire ça, mais je tiens vraiment à le dire, si il n'y avait pas la France et les producteurs, distributeurs et exportateurs français, il est fort à parier qu'il n'y aurait plus de cinéma d'auteur mondial. Et ça, c'est vraiment important. Les Allemands produisent les... Mais en fait, on a, nous, les producteurs français qui s'intéressons à d'autres cultures, une responsabilité énorme de continuer à faire vivre cette cinématographie mondiale. Alors maintenant, l'avenir, l'avenir, il est... Je suis très intéressée de ce que Denise vient de dire, parce que bon, il y a une question technique actuellement, trop technique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on est en train de modifier les règles de l'agrément français. Or, l'agrément français, les fameux 100 points, 25 points sur 100, enfin bon, disons que c'est très très technique, mais le premier rapport qui a été fait, nous, ça nous a beaucoup inquiétés. Et je peux vous dire, parce que j'en ai fait l'expérience à partir d'un film que j'ai produit, qui est un film important, je pense, qui s'appelle « Le procès d'Ilyan Amsalem » de Ronit et Shlomi Elkabetz. Génial. Pensez pour Ronit. Ce film qui était un film majoritaire français, tourné en langue hébreu en Israël, n'aurait plus été agréé français avec les règles initiales de la réforme de l'agrément. Et là, c'était quand même un sacré problème. Peut-être que Christophe Tardieu en parlera cet après-midi, mais comment à la fois résoudre la question de lutter contre les délocalisations effectives de certains films français partant se tourner pour des raisons financières à l'étranger, mais comment préserver surtout les films étrangers ou tournés en langue étrangère de réalisateurs étrangers qui nous demandaient leur soutien pour pouvoir faire leurs films. Ronit et Shlomi Elkabetz, le coût du film était environ d'1,8 million, et grâce notamment à l'accord de coproduction avec l'Allemagne, grâce à Arte, grâce à l'aide au cinéma du monde, on a pu amener la majorité du financement. Je pense que Mustang, c'était le même type de question, et évidemment, pas mal de films produits par Saïd. Or, bon, nous, notre syndicat, parce qu'on est très nombreux à produire des films du monde, on a beaucoup bataillé en accord avec l'UPC totalement pour faire évoluer les règles. Mais ce que Denise vient de dire, en disant il y a des règles qui touchent directement l'artistique et qui peuvent être problématiques, par exemple le casting, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi quand nous avons produit le procès de Vianam Salem, on a eu la chance d'avoir un acteur d'origine arménienne qui est Simon Abkarian, qui était capable de parler en hébreu, mais il ne parlait pas hébreu. Hein. Mais donc, on a eu Simon qui qualifiait français. Et avec un seul acteur, ça allait. Maintenant, c'est en pourcentage du nombre d'acteurs. Donc, le procès de Vianam Salem, ne serait-ce que sur ce terrain, il n'avait plus les points. Donc, tu vois à quel point, Denis, ça peut poser un problème. Bon, donc nous, on continue à discuter sur cette réforme de l'agrément qui va être effective à partir du 1er janvier 2018. Et sincèrement, on espère qu'on pourra toujours trouver les solutions, alors qu'ils demandent beaucoup d'imagination, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup d'embûches. C'est quand même beaucoup plus facile de produire un film franco-français bien financé qu'un film palestinien d'1,4 million, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est tellement agréable de faire naître des jeunes réalisateurs du monde entier. Dernier point, ce sera peut-être la transition avec le débat de cet après-midi, qui va suivre. Bon, la régulation, alors ça c'est l'avenir. Pour nous, je viens de dire un peu du mal du CNC, mais au contraire, disons que pour qu'on puisse continuer à être les champions du cinéma d'auteur mondial, évidemment qu'on a besoin des règles du CNC, et évidemment qu'on a besoin d'une chose super importante, je vais parler pour notre paroisse évidemment, c'est que le producteur délégué ou co-délégué, même s'il est minoritaire, reste un producteur français indépendant pour pouvoir travailler sur toutes ces règles. Or, on voit bien que la grosse inquiétude qu'on a, nous, par rapport aux plateformes étrangères, extra-communautaires, parce qu'à l'intérieur de l'Europe, on arrive toujours par trouver des solutions, on arrive toujours par s'entendre, je pense. Mais c'est vrai qu'effectivement, on voit, par exemple, Netflix qui produit Marseille avec un producteur délégué la première saison, enfin, c'est une production du visuel, hein. La deuxième saison, il n'y a plus de producteur délégué français, c'est marrant. Et on m'a cité l'exemple d'un film que je ne peux pas citer parce que c'est confidentiel, mais
qui avait été produit par Amazon avec un producteur français, c'est pas un réalisateur français. Film suivant, il y a toujours le même réalisateur, mais il n'y a plus de producteur français. C'est bizarre. Donc, si vous voulez, nous, notre obsession, la même que Saïd, j'imagine, ou Charles Gilibert, c'est de préserver cette place du producteur français en liaison avec nos camarades européens à travers ces 57 accords de coproduction et puis trouver des solutions pour le reste, mais défendre toujours cette place extrêmement importante de cette régulation parfois si complexe, mais qui nous permet de faire tellement de beaux films. Merci. Merci Marie. Avant de passer à la parole à David Kessler, je voudrais poser une question à Charles Rifkin. Comment vous vivez ça, vous, les majors américaines, qui étiez en tout cas les plus puissants du monde au niveau de la communication du film? Comment vous vivez l'arrivée de ces grandes plateformes qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus fortes, beaucoup plus mondiales encore, et qui vont rentrer dans votre champ de compétences en se mettant dans le cinéma? Comment vous vivez ça, vous, aux États-Unis? Ok, si je peux, je reprendrai en anglais. En anglais, si je peux. Excusez-moi, mesdames, messieurs, mais c'est plus facile. Le MPA, je dois dire en avance, c'est Disney, Warner Brothers, Universal, Sony, Fox, Viacom, Paramount. Many of the representatives are here with us today. And I will say, and they will tell you as well, that they compete very, very strongly against themselves. So all of these six studios are fierce competitors with each other for talent, for product, everything. And so the introduction of Netflix, which is producing an enormous volume in high-quality programming, Amazon, who's starting to produce more, Apple, spending $1 billion on programming. Yes, they are competitors to the majors, but they are also buyers. So the majors are selling product to all of these platforms, which is great because at the end of the day, we're in the content business, and the better the distribution platforms, the more people can see our product and our work. So in many ways, they are our friends and our competitors. However, it is really encouraging for me, as I mentioned in my speech, that Amazon and Netflix have joined ACE. ACE, as I mentioned, is this global piracy group to fight piracy around the world that has my six studios, Netflix and Amazon, and 22 other companies, including many European companies. And the more these platforms produce content, the more they have an obligation to protect copyright and to protect content. So maybe it's my 8 years in the State Department, but I believe that the best thing to do is to always find common ground. And we have a common ground with Europe. We have common ground with the platforms who are making quality product to protect that product. And the last thing I'll say is another thing that I mentioned in my discours that we have in common is the need, in order to finance product, to have exclusivity and territoriality. And I'm, as I said, very proud that France is in the lead in fighting this digital single market territoriality provision in the EU, because if we have a system where independent producers here in Europe have to sell one territory and then give away 27 for free, it's going to be very hard to finance anything. And we share that interest with our European friends to make sure that territoriality and exclusivity is preserved to promote independent film. Merci beaucoup. David, donc, à votre tour de nous dire la façon dont vous vivez l'arrivée de ces nouveaux partenaires. Moi, il y a une question qui me vient suite au débat de ce matin, mais encore plus cet après-midi. On voit pointer une idée qui m'intrigue et que je trouve extrêmement intéressante et que Denise a très très bien expliqué. Finalement, on voit ces grands géants de l'Internet qui arrivent, ces plateformes. Est-ce qu'elles seraient la réponse donc de la renaissance d'un cinéma indépendant, audacieux, qui serait libéré de coproduction, de distribution, et tout d'un coup, on serait en face d'un partenaire unique, très riche,
qui pourrait dire aux créateurs, aux auteurs, bah écoutez, nous on est libérés du marché puisqu'on est votre seul interlocuteur, vous n'avez pas besoin pour faire un film d'avoir deux coproducteurs, un distributeur, une chaîne hertzienne, une chaîne payante, et vous allez pouvoir, grâce à, ces, à nous qui sommes tellement riches que nous pouvons être terriblement indépendants, vous allez pouvoir faire des œuvres véritablement libres et indépendantes, et finalement de redonner, de rebooster la création audacieuse. Voilà, ça c'est une parenthèse pour parler de la création, mais j'aimerais que vous, si vous pouvez, l'introduire dans votre discours et de savoir comment Orange vit l'arrivée, vous qui êtes très vertueux, tout le monde l'a dit, hein, depuis ce matin, vous le très vertueux, comment vous voyez tout ça ? Très honoré d'être vertueux. Non, je dois dire, j'étais un peu surpris par le titre de cet après-midi et les propos prononcés m'ont fait comprendre que je pense qu'on est dans une ambiguïté terminologique et sémantique assez forte. Le sujet de la table ronde, c'était « Quelle place pour l'indépendance et la diversité dans un cinéma mondialisé ?» Et alors, je ne comprenais pas pourquoi tout à coup, on considérait que le cinéma se mondialisait. Parce que je pense que historiquement, il y a toujours eu Hollywood a depuis très très longtemps produit des films à vocation mondialisée, c'est-à-dire dont la visée n'était pas seulement le public national, mais le public international. Et on sait que depuis au moins les années 50, un certain nombre de films ne peuvent s'amortir d'ailleurs que parce que ils ont une vocation mondialisée, alors que les autres pays ont un cinéma qui n'est pas par nature mondialisé, même s'il peut arriver heureusement que certaines œuvres nationales, des œuvres françaises, mais aussi d'autres pays, circulent dans le monde entier et arrivent à circuler. Mais je ne suis pas sûr de ce point de vue-là que les plateformes révolutionnent quoi que ce soit dans cette nature d'un cinéma qui a une vocation de diffusion internationale et de l'autre côté, les cinémas nationaux. Mais j'ai mieux compris cet après-midi dans ce qui a été dit qu'en réalité, on met sous le terme mondialisation deux choses assez différentes. On met d'un côté le fait que des œuvres ont vocation à circuler dans le monde entier et ont même dans leur fabrication, dans leur constitution, dans leur imaginaire, on peut penser au film de Disney par exemple, mission en quelque sorte de parler aux enfants du monde entier, et de l'autre côté le fait que on sort de son identité purement nationale pour aller rencontrer d'autres identités. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je crois que le cinéma français, dans son organisation, dans sa vision depuis longtemps, est un cinéma qui est très ouvert au cinéma du monde. Et Marie l'a dit, je crois, c'est justement, vous l'avez dit dans votre expérience, c'est vrai que le nombre d'accords de coproduction, le fait qu'il y a une tradition assez ancienne maintenant d'aide au cinéma du monde, crée effectivement et facilite la vie. Je me souviens dans un temps jadis au CNC, c'est vrai qu'on est très frappé quand on va dans différents pays du monde à quel point les cinéastes de beaucoup de pays vous disent mais sans la France j'aurais jamais pu faire mon film. Donc c'est une réalité très concrète qu'on touche, mais je crois que ce sont quand même deux réalités différentes. Alors quand on en vient aux plateformes, et je vais un peu répondre à ce que vous disiez aussi Pierre, quand on en vient aux plateformes, et je me faisais la réflexion en pensant à cette table ronde et encore plus en écoutant les uns et les autres, je crois qu'on est finalement, on retrouve des sujets qui ne sont pas si loin du débat sur la chronologie des médias. Il y a une contradiction fondamentale entre les intérêts des uns et des autres et l'intérêt collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que tout ce qui a été dit sur les plateformes est vrai. C'est-à-dire, les plateformes, elles ont créé un nouveau marché. Elles répondent partiellement à une question qu'on se pose depuis des années, des années, des années, qui est celle de la circulation des œuvres. On se pose depuis des années, on constate depuis maintenant un certain nombre d'années que le marché international devient de plus en plus difficile, de plus en plus tendu, parce que les télévisions soutiennent moins le cinéma et que donc, Jean-Paul sait ça bien mieux que moi puisqu'il l'a vécu à Unifrance, et que donc les distributeurs sont plus frileux à acheter des films. Et tout à coup arrivent des plateformes qui, nous on en fait l'expérience souvent, qui vous disent, ben voilà, je vous achète votre film mondialement et je vais le montrer dans le monde entier. Donc c'est formidable. C'est, d'abord vous n'avez qu'un interlocuteur, il paye de façon très très convenable, très correcte, avec des chiffres qui ne sont pas ridicules au regard de ce qu'on pourrait vendre marché par marché. Et le film circule effectivement mondialement. Ça ne veut pas dire qu'il est vu de façon massive, mais ça veut dire qu'en tout cas il est proposé de façon mondiale. Donc les plateformes réalisent ça,
Je crois que, effectivement, ça a été dit, l'audace créative n'est pas du tout absente de leur vision des choses. Il n'y a pas de normalisation de l'œuvre. Et cette idée qu'il y aurait, par définition, une normalisation des œuvres par des plateformes mondiales, ce n'est pas vrai. Il y a une audace créative qui existe. Donc, il y a toute une série d'avantages. Et au fond, pour un producteur, j'inclus dedans tous les producteurs, pour un producteur, c'est intéressant aujourd'hui d'avoir dans ce à qui ils peuvent s'adresser, Netflix, Amazon ou d'autres encore demain, parce que ce sont des nouveaux marchés, parce que ce sont des gens qui achètent. Comme l'a dit l'ambassadeur Rifkin, il y a un respect de la propriété intellectuelle, il y a un respect du droit, donc il y a des contrats. Donc tout ça fait que ce sont des nouveaux interlocuteurs qui ont permis quelquefois de créer des relais de croissance là où les marchés avaient tendance à s'affaiblir. Il n'en reste pas moins vrai, et là-dessus moi je suis peut-être plus pessimiste que ce qui a été dit par certains, il n'en reste pas moins vrai que je pense que ces évolutions créent des problèmes pour des systèmes de régulation comme le nôtre. Et notamment, alors la régulation est le sujet de la table ronde suivante, donc je ne vais pas anticiper sur ce que vont dire les responsables les intervenants, mais néanmoins, ce qui est la réalité, je pense, c'est encore plus vrai pour l'audiovisuel que pour la télévision que pour le cinéma, mais c'est vrai pour les deux, c'est que nous avons construit un système largement dans un écosystème fermé. Nous avons construit un système sur des préfinancements avec un nombre d'acteurs fermés, des fenêtres, on revient à la chronologie. Ce système est en train d'éclater parce que le système s'ouvre de partout, parce que les acteurs nationaux s'affaiblissent, que les acteurs internationaux se renforcent. Je ne crois pas, moi, personnellement, là c'est un avis, je ne crois pas, un, qu'il y ait une volonté de ces plateformes à un moment donné de rentrer dans un système aussi complexe que le nôtre. Alors on le voit pour l'instant, mais je ne crois pas qu'on y arrivera. Et là où je suis peut-être plus pessimiste que ce que certains ont dit, c'est que je pense que probablement la régulation se fera à l'échelle européenne, mais elle se fera aussi par des concessions, et qu'on n'arrivera pas à maintenir un système aussi sophistiqué que le nôtre à l'échelle européenne. Nous nous réjouissons tous des 30% de la directive, parce que c'est vrai que c'est une victoire réelle. Enfin, 30%, c'est pas beaucoup au regard de ce que nous avons chez nous. Il faut pas non plus. Donc, on a réussi. Bien sûr, les 30%, c'est une base, mais ça veut dire que les plateformes, elles n'iront pas au-delà de la base, puisqu'elles ont déjà protesté. Donc, sauf si le marché les encourage à y aller. Mais à ce moment-là, on rentre de nouveau dans une logique de marché qui est précisément celle que la régulation a eue pour une part, pour vocation de, en tout cas, de corriger pour une part. Donc, je pense que dans la réflexion qui doit être la nôtre, et je terminerai là-dessus, je ne veux pas être trop long, mais je pense que dans la réflexion qui doit être la nôtre, il y a vraiment une réflexion qui est de se dire on entre dans un changement d'air, dans un changement qui a des aspects positifs, et je pense qu'il ne faut pas noircir le tableau, il y a des aspects positifs, mais néanmoins, on a un vrai, vrai problème d'arriver, vous disiez, ils ne sont pas venus cet après-midi, mais je pense que peut-être c'est compliqué d'établir un dialogue entre notre système et ce à quoi ils aspirent. L'Europe est probablement le bon terrain. Moi, je pense que c'est l'Europe est le bon terrain, mais nous ne sommes pas non plus seuls en Europe, et on a vu dans plein de combats qu'à la fin des fins, sur certains sujets de principe, on a remporté des victoires, mais que sur tous ces sujets, notamment sur l'ensemble des directives, on a toujours dû faire des compromis. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi à cet égard, aux évolutions qu'il faudra faire pour, si on veut un jour arriver à des compromis. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, le vrai motif d'inquiétude, c'est quand même que, quel que soit encore une fois l'apport positif, et je ne le conteste pas du tout, et je pense qu'il serait absurde, il n'y a pas un producteur, je pense, qui ne peut pas aujourd'hui, alors en télévision c'est vrai aussi dès qu'on rentre dans l'international, mais c'est vrai également en cinéma, aucun acteur ne peut se dispenser de discuter avec ces gens qui sont des acheteurs, qui contribuent, mais simplement ils ne font pas selon nos règles, et cela incontestablement fragilise nos règles.
Alors, je me permets juste de rajouter par rapport à ce que disait David, justement par rapport à mon expérience Unifrance, et c'est là où David a raison. N'oublions pas que finalement, on verra ce qui se passera une fois que le décret de les SMA rentrera en application en 2018. Mais en tout cas, pour l'instant, Netflix n'est intervenu qu'une fois sur un film français, un film qui s'appelle Divine, il y a 2 ans, et depuis n'a pas renouvelé l'expérience. Et quand on a rencontré, il y a 2 ans, les gens d'Amazon plusieurs fois... Pardon ? Il y en a quelques autres. Sur Netflix, produit en France ? Ah non, non, mais qu'ils ont acheté comme Divine, il y a eu d'autres exemples ? Oui, le film de Sacha Wolf. Oui. Voilà. Bon, enfin bon, ça reste bon, très unitaire. Voilà. Et Amazon, qui il y a 2 ans disait qu'ils allaient investir dans le cinéma d'auteurs français, ne l'a pas encore fait. Voilà, ça c'est... Et le temps passe quand même. Bon, voilà, on verra après, une fois qu'ils auront des obligations sous le nez, qu'est-ce qu'ils feront. Mais pour l'instant, ça n'a pas été flagrant. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce premier épisode. Je peux dire, oui, Marie ? Non, je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce qu'a dit David. Nous, dans cette espèce de biosphère française, je sais qu'on est un peu pénible parfois, collectivement, parce qu'il faut qu'on taxe et qu'on fixe des obligations, et c'est comme ça que ça marche. Alors, dès qu'il y a un nouvel entrant, on le taxe. Et ce n'est pas une punition, c'est juste pour le faire rentrer dans le cercle vertueux des mécanismes de préfinancement du cinéma français. Or, il y a un exemple actuellement qui nous fait beaucoup réfléchir. Ce n'est pas en France. C'est pas, même pas en Europe, c'est un accord entre Netflix et le gouvernement canadien qui a été conclu il n'y a pas très longtemps. Et là, l'idée, c'est Netflix arrive en disant je vais financer ou préfinancer, d'ailleurs on ne sait pas, pour 340 millions d'euros sur 5 ans le cinéma canadien et pour 25 millions d'euros le cinéma canadien francophone. Mais par contre, je veux ni taxes, ni obligations, ni quotas, ni rien. Mais en même temps, voilà, sur 5 ans... C'est à prendre ou à laisser 340 millions d'euros pour faire vos films. Le gouvernement, la ministre de la Culture canadienne a accepté. Et là, c'est levée de bouclier de tous les cinéastes canadiens qui disent « mais c'est pas possible ». Donc effectivement, si la logique de Netflix, d'Amazon, d'Hulu et des autres est de dire « vous avez des problèmes avec vos financeurs français, ça a l'air de pas trop bien se passer pour vous, on arrive, on paye, mais vous ne demandez rien de plus ». Je pense que ça sera compliqué de dire non, mais je pense qu'il faudra dire non. Voilà. Avant que nous terminions la première partie de ce débat, avant de passer à l'aspect régulation de toutes ces questions, y a-t-il des questions dans la salle ? Non. Non ? On aurait été tellement exhaustif qu'il n'y aurait aucune question. Pas mal. Très bien, bah alors il y a un petit break hein, de 5 minutes, le temps que certains s'en aillent, que d'autres arrivent. Merci à tous nos intervenants pour ce débat. Merci. Nous avons évoqué tout à l'heure notre volonté d'imaginer que dans ces 26% d'investissement des SMA, une partie soit consacrée à la diversité et à la pérennité
dans cet investissement. Je voudrais avoir la réaction des différents partenaires qui sont autour de cette table. Mais au-delà de ça, je voudrais qu'on réfléchisse au discours très engageant et très réformateur du président de la République sur la culture, même si les médias, d'ailleurs j'en étais très troublé, n'ont pas beaucoup relayé cet aspect culturel du discours sur l'Europe, qui était tout à fait brillant, en tout cas dans cette partie, qui soulevait très pertinemment le problème du droit d'auteur et qui posait comme préalable la culture européenne, une culture européenne solide, qui est très... beaucoup plus, comment dirais-je, confraternelle qu'elle ne le croit. Et donc, en face du GAFA, en tout cas, je vais aller sur le GAFA, nous avons parlé évidemment du SMA, des plateformes, mais aussi du GAFA. Il y a eu cette réunion en Estonie, on s'est posé la question, évidemment, d'un changement de cette loi de 1928. 1928, qui dit qu'il faut avoir un établissement stable pour devoir payer des impôts. Vous imaginez que nous sommes en 2017 et nous sommes encore sur ce socle. Donc tout le monde sent bien cette injustice incroyable, criante, de ces grands groupes qui s'exonèrent de toute mutualisation. De toute mutualisation de ces bénéfices pour que la société avance, pour que les enfants aillent à l'école, pour que les routes soient refaites, eh bien, les plus puissants du monde aujourd'hui s'affranchissent de toute mutualisation. Enfin, l'Europe se pose la question d'une taxe sur le GAFA. Et à partir de ce moment-là, nous posons la question. Le GAFA a grandi tout d'abord et surtout sur la circulation des biens culturels, sur la circulation de la musique, sur la circulation des films, sur la circulation des images. Et donc, nous devons d'envisager, s'il y a une taxe Google qui apparaît en Europe, une taxe GAFA en tout cas, quelle place peut avoir la culture dans cette imposition. Nous pensons qu'il faut sans doute penser ce nouveau moment comme Malraux et le général de Gaulle l'ont fait en 1945 en créant le fonds de soutien, en disant attention, sur cette taxe des gens qui vont au cinéma, tout n'ira pas à l'État. Mais une partie reviendra à la création cinématographique. Je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de se poser la question de la pertinence de cette initiative. Quelle place, si le GAFA est taxé, et il le sera irrémédiablement, je pense que c'est le sens de l'histoire, parce que les citoyens sentent bien cette inéquité incroyable, puisque eux, tous les jours, payent énormément d'impôts, puisque une petite librairie comme celle de notre ministre de la Culture paie un pas de porte, une taxe à la mairie, une taxe d'habitation, plus 30% sur son chiffre d'affaires, et il est en concurrent avec Amazon, qui, du Luxembourg, ne payera rien. Évidemment, chaque jour, cette inéquité grandit dans l'esprit des citoyens, et je crois que le politique, aujourd'hui, sent bien, et non pas comme il y a quelques années, sent bien que le citoyen est prêt à ce qu'on légifère sur le GAFA. Donc, si on légifère sur le GAFA, nous devons envisager la part de la culture dans cette taxation. Voilà, en tout cas, c'est l'idée que nous en faisons, et je passe la parole On va présenter nos invités, déjà. Alors, c'était le petit préambule, vous l'avez compris. Voilà, dans l'ordre, nous avons Monsieur Éric Peters, qui est à ma gauche, sur le canapé, tout seul là-bas, qui est membre du cabinet de Marilyn Gabriel, commissaire à l'économie et à la société numérique, en charge des industries culturelles et du marché unique numérique. À côté de lui, Émilie Cariou, députée de la deuxième circonscription de la Meuse, le mouvement La République en marche, vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée nationale et qui a travaillé auparavant dans le cabinet de Fleur Pellerin. Et d'Audrey Azoulay. Peter Dingus, délégué général de la... j'aurais dû répéter ça. Les FFA, on va dire. Président des EFAD, de l'European Film Agency Directors, et Allemagne, et avec qui on a souvent travaillé, à Unifrance. Et Christophe Tastardieu, du CNC, qui est avec nous aujourd'hui. Voilà donc nos invités. Et je passe la parole à Madame Émilie Cariou. Merci beaucoup. Alors, tous les sujets qui ont été évoqués dans les tables rondes précédentes, on voit aujourd'hui que ça fait des années qu'on réfléchit à justement l'émergence de nouveaux acteurs
sur le marché de la distribution, de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, et qu'on réfléchit à leur rôle et comment on va les impliquer dans notre, dans nos schémas de financement. Là, aujourd'hui, je pense qu'on en est vraiment à une urgence. Alors, vous l'avez, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la fiscalité générale de ces nouveaux acteurs qui viennent concurrencer des acteurs européens, mais pas uniquement dans le secteur cinématographique, hein, puisque Amazon concurrence d'abord la grande distribution avant de concurrencer le cinéma. Et ça, c'est le travail qu'on a lancé depuis 2012 avec l'OCDE sur la fiscalisation de ces acteurs-là. Donc l'OCDE s'est lancé dans un grand chantier de lutte contre l'optimisation fiscale et de redéfinition de l'établissement stable, parce que malgré tout, je considère que cette notion d'établissement stable, elle est très importante pour pouvoir rattacher à un moment donné un résultat créé aujourd'hui, on ne sait plus trop où, mais en tous les cas, rattacher la valeur là où elle est créée et la fiscalisation de cette valeur là où elle a été créée. Alors aujourd'hui, pour cet aspect purement fiscal, et qui est très important parce que, encore une fois, ces acteurs qui aujourd'hui ne paient pas d'impôts sur les sociétés, notamment, mais aussi on a des stratégies d'évitement de la TVA et aussi d'évitement de toutes les taxes locales, eh bien, ils viennent en concurrence déloyale directe de tous nos autres acteurs, que ce soit dans la production, dans la diffusion et la distribution. Donc, les projets qui sont sur la table pour les fiscaliser, c'est bien évidemment les chantiers Base Erosion and Profit Shifting de l'OCDE, qui avancent lentement. Alors, à l'OCDE, le problème, c'est que vous avez aussi des Américains qui n'ont pas forcément intérêt à changer cette définition de l'établissement stable. Du coup, ce qu'on avait fait, moi j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là au cabinet de Fleur Pellerin quand elle était ministre du numérique, puis je l'ai suivi à la culture, ensuite je travaillais avec Audrey Azoulay. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé le sujet au niveau européen. Aujourd'hui, l'Europe s'achemine vers d'autres projets, notamment d'assiettes consolidées à l'impôt sur les sociétés, pour essayer de se dire, bon, ces acteurs américains, qui sont essentiellement aujourd'hui américains, mais qui peuvent venir de partout dans le monde, on va créer une assiette globale pour toute l'Europe et on va se partager les profits entre pays européens. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui est assez complexe à mettre en œuvre, mais on voit que la Commission avance bien là-dessus, que c'est un projet qui est très, très ancien, qui a été réactivé, et on voit que beaucoup d'États maintenant sont d'accord pour avancer. Et aujourd'hui, on a un autre projet, qui est le projet qui a été porté par Bruno Le Maire à Tallinn il y a quelques semaines, de taxation du chiffre d'affaires des GAFA. Alors, ce projet de taxation, pour moi, ça ne peut être qu'une étape intermédiaire. Ça ne remplace en aucun cas la fiscalisation des résultats, qui est quand même notre but ultime. Parce que si on ne le fait pas pour les GAFA, tôt ou tard, toute l'économie, parce qu'on n'est pas face à une économie numérique, mais à une numérisation de l'économie tout entière. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, si on ne se pose pas réellement la question de savoir où on fiscalise un résultat dans l'économie numérique, on va voir tous nos acteurs traditionnels, dans toutes les activités de services, de vente de biens, se délocaliser dans les pays à fiscalité privilégiée. Ça, c'est sûr et certain. Et je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient, puisque eux-mêmes subissent la concurrence déloyale. Alors, sur les autres sujets de régulation, je suis un peu plus optimiste que David Kessler, et surtout, je suis un peu plus combattante. Parce que moi, je me souviens très bien que quand on a commencé à discuter de la directive droit d'auteur à Bruxelles, on m'avait dit « Oh là là, on va se faire manger tout cul par la commission Juncker ». Parce que vous savez que Juncker, dans son premier discours, avait dit « Je veux plus de barrières territoriales, je veux un grand marché, y compris pour les films. » Un grand marché numérique, le Digital Single Market. Et donc, évidemment, dans la musique, aujourd'hui, on est face à des marchés mondialisés, mais cela étant pas au même prix, on a des licences mondialisées, mais ça ne veut pas dire qu'on vend au même prix, parce qu'on a des différences de niveau de vie entre pays européens. Pour le livre, on a des marchés qui sont essentiellement par bassin linguistique, mais pour le film et l'audiovisuel, là, c'est complètement différent. On est sur des marchés qui sont encore essentiellement nationaux, que ça se finance comme ça, un film, et ça se distribue comme ça. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a entamé de longues discussions avec notamment le cabinet Juncker, mais pas uniquement, hein, les autres commissaires, notamment Oettinger ou Ansip, qui étaient impliqués dans cette construction du marché unique numérique, pour leur expliquer justement comment marchait le financement des films, le préfinancement des films et la distribution des films. Donc avec des arguments économiques, on a pu aussi défendre l'exception culturelle. Parce qu'à un moment donné, la Commission européenne ne peut pas défendre des solutions qui vont détruire des secteurs entiers de l'économie, et la culture en fait partie, des secteurs entiers de financement de produits et de biens culturels qui sont diffusés en Europe. Parce que ça veut dire qu'on va détruire nos propres acteurs. Alors c'est vrai que Bruxelles a une vision assez consumériste, mais malgré tout, ils ne peuvent pas non plus avancer dans une solution qui mène à l'extinction d'une filière.
Donc, en mêlant toujours notre objectif d'exception culturelle, de défense de la diversité culturelle, qui est très importante, et avec des arguments économiques, on a réussi à changer les mentalités de la Commission. Donc, on a abouti aujourd'hui à une directive droit d'auteur qui a commencé à nous permettre une première régulation des plateformes avec une première responsabilisation de ces acteurs que nous, on considère comme n'étant pas... quand je parle nous, c'est-à-dire à l'époque, on travaillait avec le ministère de la Culture, mais les autorités françaises considèrent que des plateformes telles que YouTube ou Facebook ne sont pas des hébergeurs au sens de la directive e-commerce parce qu'elles elles éditorialisent des contenus et parce qu'elles servent directement des spectateurs finaux. Quoi. Un hébergeur au sens de la directive originaire, c'était un intermédiaire purement technique qui transférait des données. Neutre, voilà. Un stockeur de données ou un transitaire. Donc d'ailleurs, à l'époque où cette directive a été écrite, ces acteurs-là n'existaient absolument pas. Donc c'est par la construction jurisprudentielle qu'ils ont été assimilés à des hébergeurs parce qu'ils n'étaient pas des éditeurs. C'est une construction à contrario, on va dire. Donc on a défendu ça, ce qui nous a permis, dans la directive droit d'auteur, de commencer à responsabiliser un peu les plateformes, ce type de plateforme-là. Je dis bien ce type de plateforme-là, et non pas les vrais hébergeurs, qui eux restent hébergeurs, et à dire qu'ils ont une responsabilité sur les contenus, et notamment en matière de piratage. Parallèlement, on a rouvert la directive SMA, et donc là, on a obtenu quand même... Moi, je considère que le 30%, il est quand même bien, parce que là, on est face à des pays qui avaient des quotas à 0%. C'est-à-dire que tout le monde avait... Il y avait certains pays qui n'avaient aucun quota. Donc, nous, on a toujours la possibilité de garder les nôtres. Les autres acteurs vont se mettre à avoir des obligations en Europe pour acheter des films européens. Donc, moi, je considère que c'est bien. En tous les cas, c'est une opportunité de plus pour le cinéma français et pour le cinéma européen. Donc, moi, je considère que c'est quand même une belle avancée. Après, on a obtenu donc, l'inversion de territorialité pour les obligations de financement, que ce soit des taxes affectées ou des contributions obligatoires qui étaient prévues dans la directive SMA. Donc ça, c'est vraiment une avancée capitale. Et c'est bien pour ça qu'on s'est battu pendant des années. Par ailleurs, dans les autres combats qu'on a menés, Christophe Tardieu, qui est à mes côtés, s'en souvient bien, on a plusieurs choses. On a une adaptation de la taxe sur les vidéogrammes qui a réussi à englober le cas Netflix, qui a été autorisé par la Commission européenne, et une autre taxe qui prend le cas YouTube, qui est en cours d'autorisation. Et voilà. Donc, on voit que petit à petit, on essaie de faire rentrer tous ces acteurs dans nos mécanismes. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce soit sur ces sujets culturels, sur le sujet des données personnelles, où là, on a des textes particuliers, sur le sujet de la fiscalité, sur le sujet de la territorialité du droit, il est absolument capital que ces nouveaux acteurs extra-européens soient soumis au même niveau de régulation que les acteurs européens. Parce qu'on crée de tels gouffres de distorsion de concurrence que c'est absolument intenable pour nos acteurs. Donc là-dessus, la France, elle est déterminée à continuer. Moi, récemment, j'ai encore vu les conseillers de Matignon qui continuent les combats, qui vont les mener. Sachez qu'au sein des parlementaires, et notamment de notre groupe de la majorité présidentielle, on est particulièrement conscient de la nécessité de continuer sur ces combats-là, notamment l'optimisation fiscale, mais aussi le reste. Moi, je suis assez satisfaite d'avoir un président de la République qui parle de souveraineté européenne, parce que je pense que c'est une belle notion, c'est-à-dire que on le voit bien, l'Europe qu'on a construite nous a mené au Brexit et à un certain nombre de montées du populisme en Europe. Donc maintenant, on en arrive à une autre vision des choses qui reste assez ouverte parce qu'on ne va pas refermer les portes de l'Europe. En revanche, mettre fin aux écarts concurrentiels déloyaux, je pense que c'est absolument capital. Donc le fait d'avoir un président aussi qui défende ça à Bruxelles, ça change vraiment la donne. C'est-à-dire que il le porte très fort, cette volonté-là. Et derrière cette histoire de souveraineté, ce n'est pas du tout une souveraineté nationaliste, c'est une souveraineté dans l'exception culturelle, dans la défense de notre industrie. Moi, je suis chargée également des sujets d'agriculture. Voilà, tous ces sujets-là sont derrière. Donc, ça englobe tout. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire dans les secteurs cinéma, audiovisuel, en termes de régulation, beaucoup de secteurs n'ont pas réussi à le faire. Et on voit ce qui s'est passé. On a eu une désindustrialisation de l'Europe. Il y a des régions, moi je suis dans une région qui a quand même pâti justement de cette désindustrialisation, avec une désertification de certains territoires à la clé. On le voit, c'est catastrophique. Donc nous, on a réussi à le faire dans le cinéma audiovisuel, il faut continuer à le faire, et à intégrer les nouveaux acteurs. Alors, je suis aussi d'accord que peut-être qu'ils n'intégreront pas immédiatement notre niveau de régulation, mais petit à petit, les faire venir dans des modalités de financement, c'est déjà un premier pas. Voilà. Donc je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup.
Je me tourne vers Peter Dinges. Peter, c'est vrai qu'on se félicite tous que la directive de la SMA, que ce combat ait pu avancer et être gagné et que cette directive soit appliquée l'année prochaine. Maintenant, une autre étape, c'est aussi ces taxes sur les GAFA. Est-ce qu'il est envisageable de faire un front commun franco-allemand pour essayer de taxer ces GAFA? Est-ce que l'Allemagne est sur la même longueur d'onde que nous, finalement? Merci. Premièrement, je crois qu'on a, on a encore un peu de temps pour... un mot. Merci beaucoup pour l'hospitalité ici à Dijon. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je crois que c'est important. Et en plus, merci pour votre patience en m'écoutant avec toutes mes fautes que je vais faire. Et oui, Christophe dit toujours « je suis parfaitement francophone », ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Quand même, on a un franc franco-allemand, on a déjà ce franc-là, on a, mais j'aime pas le mot franc, on a une coopération franco-allemande, et on a commencé, je crois, il y a 3 ans, 4 ans déjà, on a pensé à la taxe, on a pensé que ce devrait être possible, je le trouve juste, parce que ce sont des players, des géants qui se servent du marché, alors c'est naturel qu'ils investissent dans le marché, c'est une logique commerciale et c'est aussi une question de traitement égal, parce que les joueurs, les locaux et régionaux investissent, ils payent les taxes et eux, ils ne sont pas obligés parce qu'ils sont situés au Luxembourg ou dans les Pays-Bas. Oui, c'est dans le centre de l'Europe, mais malheureusement, on n'a pas les mêmes règlements pour le Luxembourg, pour les Pays-Bas, pour l'Allemagne et pour la France, et c'est ça le problème. Alors maintenant, on ne veut plus avoir des exceptions de taxes, on ne veut plus avoir des exceptions de taxes dans tous les business, mais aussi concernant les taxes pour les films. Alors c'est fini maintenant. On a la directive SMA et entre-temps, on a Netflix et Apple portent plainte contre le gouvernement de l'Allemagne devant la Cour européenne parce qu'ils pensent que la notification de la Commission n'est pas légale et mettent en question la légalité. Alors, on verra quel résultat on va avoir. Je crois que c'est juste une question concernant le passé, parce que quand la directive SMA, comme elle se présente maintenant, va être en effet, je crois qu'on va avoir plus de problèmes. Et je suis très content que les Français, eux aussi, ont reçu entre-temps la notification de la Commission. Et j'espère pour vous qu'il n'y a pas de plainte. Si oui, alors on ne peut rien faire. Mais de mon avis, ce n'est pas logique de porter plainte en ce moment. Ce n'est pas bien pour la réputation de Netflix, ce n'est pas bien pour la réputation d'Apple. Ça ne fait pas de sens, ce n'est pas logique. Et je crois qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait s'occuper ensemble. Par exemple, de transférer la directive SMA dans la loi nationale ou en coopération avec Apple et avec Netflix. Quand je ne fais pas de remarques sur Amazon, la raison est très facile. Eux, ils payent la taxe en Allemagne. Et quand je ne fais pas de remarques sur Google, je peux dire, on les a rencontrés, ils disent, on ne va pas porter plainte, on attend un tout petit peu, en principe, on est prêt pour payer la taxe, on a un petit problème avec le passé, mais en principe, on est prêt. Alors, c'est ça, une situation assez mixte, et je suis très optimiste concernant le futur, je suis très optimiste concernant le futur franco-allemand dans la coopération, et il y a quelques semaines, on a eu une rencontre des États,
des pays nordiques, à Haugesund. Là, on a discuté juste cette taxe Netflix. C'est en discussion maintenant dans les pays nordiques aussi, parce que pour eux aussi, c'est très très important d'avoir un investissement dans le film, dans la série régionale. Et peut-être on va voir des changements en Norvège, au Finlande, au Danemark, on verra. Alors, merci Peter. Il y a un deuxième point sur lequel nous sommes assez admiratifs par rapport à ce que vous avez fait, c'est évidemment la lutte contre la piraterie concernant le téléchargement. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes, et puis sur l'étape d'après, qui est évidemment la lutte contre la piraterie en streaming. Alors déjà sur le téléchargement. Alors on a discuté déjà un tout petit peu, et quand je discute avec des Français concernant la piraterie, c'est toujours le même effet. Nous les Allemands, nous sommes pleins d'admiration pour le système français Adopi et ce que vous faites en rapport à la piraterie. Vous, les Français, vous pensez toujours qu'on fait mieux en Allemagne, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Alors, en Allemagne, peut-être cette impression d'admiration concernant les recettes anti-piraterie en Allemagne, il me faut les corriger un peu, tout petit peu. Alors, il y a quelques ans, je crois il y a 5 ans, vous seriez complètement juste. On était très, très actifs contre la piraterie en Allemagne. On a poursuivi avec des amendes, avec des pas légales, les pirates. Là, il y avait le cas Kinoteo. On a réussi de décapiter Kinoteo, et eux, avec la piraterie, ils gagnent beaucoup d'argent. Alors, on a fini ce business et c'était bien, et on a bien réussi. Et entre-temps, on a réussi d'implanter une espèce de système anti-piraterie, aussi concernant le streaming, aussi concernant les downloads. Mais là, il y avait un événement qui a arrêté un tout petit peu les protagonistes dans l'industrie et dans la politique. C'était la fondation de la partie pirate. Et les pirates ont gagné des votes, ils ont gagné des votes dans la communauté du réseau. C'est qui la communauté des réseaux? Ce sont des voteurs pendant l'élection. Alors là, on est devenu très très sensible parce que le pourcentage des pirates a augmenté. Avec toutes les élections régionales, ils sont devenus plus forts et plus forts et plus forts. Et ça a freiné tous les mouvements anti-pirates en Allemagne. Et aujourd'hui, c'est les downloads qui sont poursuivis par les prosécuteurs en coopération avec la GVU. La GVU, c'est une compagnie, c'est une entreprise contre la copyright infringement. Et ils sont en coopération avec la police, les départements spécialisés dans la police, et avec les procureurs. Le problème, c'est un tout petit peu qu'on a perdu la MPA. C'est dommage que Ambassador Rifkin n'est plus là, parce qu'ils ont concentré leur initiative à Bruxelles. Alors, ils ne font plus part du financement des entreprises nationales et régionales, parce qu'ils pensent un problème international doit avoir une réponse internationale. En principe, c'est juste. Mais un procureur et la police travaillent toujours sur une plateforme régionale. Alors, il faut avoir... C'est un people-to-people business. Il faut connaître les gens. Il faut apprendre aux policiers, aux départements de police, aux procureurs, que c'est important de poursuivre ce cas-là. Alors, c'est toujours...
le grand image, c'est la coopération internationale, mais ce sont aussi les activités nationales, même régionales, même urbaines. C'était comme ça qu'on a décapité Kinoteo, parce que c'était une coopération internationale avec des activités régionales. Et sans la MPA, ça ne marche plus, parce que l'argent manque partout, ils sont concentrés à Bruxelles, et je ne vois pas les efforts et pas les progrès. Et est-ce que tu crois que cette quand même réussite relative dans le combat contre la piraterie vous a permis de conserver un marché du DVD exceptionnellement élevé par rapport à ce que nous on connaît en France? Comment tu expliques que chez vous le marché de le DVD s'érode? Il s'érode, mais moins vite que chez nous, ou alors nous il est en chute libre quand même. Mais vous les Français, vous avez fait une étude. Une étude sur le marché allemand. Ça, on en fait des études. Ah, oui, sur le marché. Oui, il y avait des personnes de Paris qui sont venues chez nous alors en posant des questions. Pourquoi ça existe, le paradoxon allemand? Pourquoi ça existe? Alors, il y avait des théories que tous les Allemands font partie d'une mentalité collectionneur. Physique. Oui, je ne suis pas sûr. Une autre théorie était que c'est la décentralisation. Alors la décentralisation, si Paris augmente dans le VAD, alors c'est toute la France qui augmente dans le VAD. Alors chez nous, c'est décentralisé, on a les centres régionaux, alors c'est plus résistant au mouvement d'un jour à l'autre. Alors... Oui, une théorie. Troisième théorie, le prix. Vous êtes extrêmement cher en France. Ce qui concerne les DVD, vous étiez toujours en Allemagne, on paye, je ne sais pas, 5 euros, 4 euros 99, 6 euros 99. Ce sont des prix raisonnables pour un Blu-ray avec une qualité énorme. Alors, ça n'existe pas en France. Non, je te confie. Alors, peut-être c'est ça la raison des raisons tout à fait simples, économiques, que le marché allemand est resté en place pour le DVD physique. Alors, merci Peter. J'ai une dernière question, parce qu'à midi, tu m'as raconté un truc qui m'a interpellé en me disant qu'en Allemagne, vous essayez de limiter les sorties salles de films allemands. J'ai bien compris ça ou... Non. Oui. Pourtant, j'avais rien bu du tout. Alors, j'étais à la Badoin, à la Vittel. Alors, explique-moi mieux. Alors. Alors, c'est un peu délicat d'en parler ici à Dijon, parce que je ne vois que des producteurs, des auteurs, des metteurs en scène ici, et ce sont des adversaires naturels de cette idée. Alors... On pourrait penser que la diversité culturelle est quelque chose de très très important, d'essentiel, on est d'accord ? Mais peut-être ce n'est pas nécessaire de garantir la diversité culturelle avec 1740 films en Europe par an. Et en Allemagne, on a 660 films dans la sortie, et ça augmente chaque année. Et l'infrastructure, le nombre d'écrans reste identique. Et le nombre de semaines par an reste identique. 52 semaines par an. Alors, le nombre de films augmente et on a l'impression que les petits films, le premier film, le deuxième film, les films des talents en production, en metteur en scène, ils sont vraiment cachés dans cette quantité énorme de films qui ne sont pas toujours très bien. De temps en temps, ils ne sont pas bien du tout. Alors, qui décide qu'ils sont bien ou pas bien du tout ? On a pensé d'une activité, d'une initiative de qualité. Et on pense qu'il y a peut-être aussi une liaison entre la qualité et le budget. Alors, augmentons les budgets, augmentons le montant du soutien pour les films, augmentant
les sommes d'investissement dans les films avec un budget minimum de 2,5 millions de budget, ce qui est beaucoup pour un film allemand. C'est un film à peu près médium. Et alors là, si on fait ça, on réduit automatiquement le nombre de films. Et les expectations, les d'entrée en salle, on a pensé, oui, on expecte un film, on attend un film avec à peu près 250 000 entrées dans les salles. Alors c'est ça, les benchmarks pour les commissions dans la FFA maintenant. Il y a des exceptions pour les premiers et les deuxièmes films. Il y a des exceptions pour le film du festival, mais c'est comme ça, les nouvelles directives de la FFA. Et vous pourriez vraiment imaginer que c'était une discussion assez vivante, et je suis très heureux que j'ai encore la possibilité d'être assis ici à Dijon après cet été assez émouvant. Et tu retournes en Allemagne. Et alors, je ne sais pas encore. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec un petit film américain pas très bon et il est interdit de sortir ? C'est juste les films allemands qui sont concernés. Donc en Allemagne, les petits films allemands pas très bons n'auraient pas le droit de sortir, mais les moyens films américains pas très bons auraient le droit de sortir. Quand je vois les chiffres des films américains en Allemagne, on a à peu près 75% des films, on a 20% du film qui sont des films américains, parce que là, les chiffres baissent, qui font à peu près 65% du marché. Alors eux, ils n'ont pas le problème de qualité, ils n'ont pas le problème d'entrée. Nous l'avons, le problème. Alors c'est ça. Nous passons la parole. Oui. Ben, bravo, en tout cas. On peut... Enfin, bravo. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Je dis bravo à l'ensemble. Hein, pas... Alors, attends, là, je suis... Alors, c'est à Christophe. À toi, Christophe. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin, certains faisant part de pessimisme, certains faisant part d'inquiétude. C'est quelque chose d'assez rare dans la profession de faire part d'inquiétude. Moi, je voudrais vous faire part de quelques éléments d'optimisme, sans vouloir pour autant apparaître comme Béa ou loup ravi de la crèche. Je t'expliquerai comment on traduit en allemand loup ravi de la crèche après. Il y a des points qui nous poussent à être optimistes. D'abord parce que je crois que dans tous les combats que nous menons, nous ne sommes pas seuls. Peter l'a évoqué. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans toutes les affaires dont nous parlons, la directive SMA, les relations au niveau de l'Europe, c'est l'extraordinaire solidité du couple franco-allemand. Tu vois, ce n'est pas un front pour moi, c'est un couple. Un couple franco-allemand qui fonctionne remarquablement bien, grâce à toi notamment. Mais on a évoqué, Émilie en a parlé, la taxe Netflix, la taxe YouTube, qui a été mise en place en France dans des conditions difficiles, certes, mais qu'on a réussi à faire, et j'y reviendrai. Mais nos amis allemands avaient instauré ces taxes avant nous. Et on s'est inspiré, on n'a pas pris tout à fait le même modèle, mais on s'est inspiré du cas de l'Allemagne pour travailler en ce sens. Et c'est vrai que cette convergence d'approche, c'est quelque chose qui est extrêmement utile aujourd'hui dans les combats que nous menons au niveau européen et au niveau international. Et puis, il est beaucoup trop modeste pour le dire, mais Peter est notre président de l'association de tous les CNC européens. Il y a un équivalent CNC dans tous les pays de l'Europe, plus les États associés type Norvège, Islande et bientôt Grande-Bretagne. Et c'est vraiment un formidable président et grâce à cette association qui s'appelle les EFAD, nous menons un combat que je crois assez efficace à Bruxelles malgré la faiblesse de nos moyens par rapport aux moyens que peuvent déployer les Amazon, Google et autres. Deuxième source d'optimisme que je voudrais partager avec vous, c'est de vous dire que, en tout cas, nous CNC et avec nos collègues européens, on travaille aussi très bien avec la Commission européenne. Alors, pas forcément avec l'intégralité de la Commission européenne, mais Eric Peters le sait bien,
Nous travaillons formidablement bien avec le programme Média, et je reconnais deux ou trois personnes dans la salle, des professionnels, je pense notamment à Victor, qui connaît l'importance du programme Média dans les soutiens que ce programme absolument formidable peut apporter au cinéma français et à la diversité culturelle. Je pense aussi à la DG Connect, avec laquelle nous avons souvent des dialogues extrêmement constructifs, extrêmement fructueux. Et je crois que toutes les avancées qui ont été notées depuis ce matin autour des textes, on a parlé de la directive SMA, mais il y a aussi la directive Copyright, il y a aussi tous ces textes qui sont en ce moment en devenir, eh bien la coopération est bonne et il y a vraiment des... Je crois que les choses avancent et que surtout, nous avons fait un très beau progrès dans la compréhension mutuelle. Et le meilleur des symboles, de mon point de vue, est la récente nomination sur les sujets qui nous intéressent de la commissaire Gabriel, qui est à la fois formidablement francophone et francophile, et qui, j'en suis sûr, saura tout à fait aller dans le sens de la diversité culturelle et de la qualité de la création européenne. Et puis, nous avons aussi des alliés au Parlement, et Émilie, naturellement, en fait éminemment partie. Et je crois que d'avoir des alliés au Parlement, ça sera, je crois avoir aperçu Frédéric Dumas dans la salle, je crois justement, avec ces alliés au Parlement, il y a beaucoup de combats qui sont à mener. Dans ces combats, il y a naturellement faire en sorte que les remarquables dispositions de crédit d'impôt que tu connais bien, Émilie, soient naturellement préservées, parce que ça, c'est tout le secteur qui en a infiniment besoin, et si on veut relocaliser l'activité en France, ça c'est fondamental. Mais il y a aussi un autre volet qui a été très largement évoqué aujourd'hui, c'est la problématique de la lutte contre le piratage. Et là, c'est évident que le Parlement aura un rôle à jouer tout à fait essentiel. Depuis ce matin, il y a un mot qui a beaucoup été utilisé, c'est le mot de vertu. Bien. Alors, définir la vertu en 3 heures, c'est un peu compliqué, et je ne me risquerai pas à l'exercice. Néanmoins, il y a quand même un point, moi, qui m'apparaît évident et qui reboucle tout à fait avec ce qu'a dit Émilie tout à l'heure, c'est que la première des vertus, ou en tout cas la première des morales, c'est qu'on paye ses impôts en France quand on a une activité en France. Et ça, c'est valable pour des grandes plateformes internationales, c'est aussi valable peut-être pour des acteurs qui se disent français tout en étant installés dans des pays proches qui ont un climat peut-être un tout petit peu différent. En tout cas, c'est évident que si on doit définir, dans le cadre de la chronologie des médias, ou des indices permettant de vérifier la vertu, je pense que la problématique de la fiscalité sera vraisemblablement l'une des premières lignes. Ensuite, alors, moi, ce qui me pousse aussi à être optimiste, c'est que, finalement, on nous dit toujours, mais vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Mais regardons quand même les résultats. Alors, ils sont peut-être imparfaits, ils sont peut-être perfectibles, il y a peut-être plein de choses qu'on peut améliorer, mais qui eût cru il y a encore 3 ans qu'on arriverait à instaurer en France une taxe sur Netflix, sur YouTube, et que cette taxe serait de surcroît autorisée par la Commission européenne, qui, en 2013, aux rencontres de Dijon de 2013, l'aurait parié. À mon avis, pas grand monde. Cela est fait. Alors, certes, on pourra toujours dire 2% c'est insuffisant, je crois que c'est ma présidente d'ailleurs qui l'a dit ce matin, que 2% c'était peut-être pas tout à fait assez, mais ça on verra. Et ensuite, on a évoqué tout à l'heure les problématiques d'exposition des œuvres européennes, qui aurait cru il y a encore un an qu'on arriverait à atteindre les fameux 30% de la directive SMA. Je rappelle que ces 30% ont été arrachés au dernier moment par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, lors d'un conseil qui a eu lieu en mai dernier. Et la ministre a réussi à arracher cela, naturellement parce qu'il y a eu la volonté plusieurs fois manifestée par le président de la République en la matière, mais il y a aussi le fait que la voix de la France dans les domaines culturels, dans le domaine cinématographique, est une voix forte, est une voix qui porte en Europe, et qui est donc une voix utile. Et pourquoi cette voix est forte? Pourquoi cette voix est utile? C'est parce que nous avons des créateurs, vous tous, ici rassemblés, et d'autres qui ne sont pas forcément là, mais des créateurs qui font des œuvres, qui réalisent des œuvres, qui créent des nouvelles choses, et qui font surtout l'admiration en Europe et dans le monde entier.
Et ça, c'est des choses extrêmement importantes parce que, outre la qualité des œuvres que vous produisez, il y a aussi cette capacité que vous avez à vous mobiliser lorsque des causes importantes sont en jeu. Et je crois que la diversité culturelle en Europe fait partie de ces causes. On a un énorme défi face à nous, dans le cadre de la directive SMA, c'est que nous avons en face de nous des grandes plateformes qui nous disent « Mais nous, de toute façon, vos raisonnements, on ne peut pas les comprendre parce que nous sommes totalement et intégralement orientés vers le consommateur. » Et nous, la seule chose que nous voulons, c'est la satisfaction de notre consommateur, peu importe ce qu'il regarde. À partir du moment s'il aime regarder qu'un certain nombre de séries ou un certain nombre de films, que certains styles de films, eh bien c'est avant tout ce qu'on doit favoriser. Il y a un gros sujet qu'il va falloir qu'on garde dans le cadre de la directive SMA, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'exposition des œuvres européennes, qu'est-ce qu'on fait des algorithmes de Google de Netflix en la matière, comment les choses vont pouvoir fonctionner en termes d'exposition des œuvres européennes. Ça, c'est un débat extrêmement important qui va nous animer. Et il faut absolument que nous arrivions à persuader les gens que nous avons en face que c'est de l'intérêt même de leurs consommateurs de leur offrir la plus grande diversité culturelle possible. Après, il est hors de question, naturellement, d'inciter à certains choix ou autres. Mais en tout cas, c'est de dire que plus ce qui sera proposé par ces plateformes sera divers et plus la diversité culturelle sera respectée, plus la satisfaction du consommateur, de mon point de vue, de notre point de vue, sera forte. Et puis enfin, dernier point, et ça c'est le dernier combat qu'on mène aujourd'hui dans le cadre de la directive copyright, c'est la juste rémunération des auteurs, qui est absolument indispensable. Je crois que Pascal n'est plus dans la salle, mais je suis sûr que vous lui répéterez. Mais en tout cas, il est évident qu'une juste rémunération des auteurs, une juste rémunération lorsque des œuvres sont postées, y compris sur des plateformes gratuites, est quelque chose de totalement indispensable. Parce que, bah, comme vous le savez tous encore mieux que moi, c'est là où est le nerf de la création. En tout cas, voilà. Moi, ma conclusion, elle est extrêmement simple et brève. C'est beaucoup d'optimisme, beaucoup de chantiers à venir, beaucoup de combats à mener. Mais je pense que pour mener ces combats, nous sommes relativement bien armés. Et en tout cas, ce n'est pas la volonté qui manque. Merci. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Eric Peters. Je vous pose la question européenne. Vous faites partie de la Commission européenne et comment l'Europe vit ces grands changements? À quel point elle est prête à accompagner? Évidemment, la SMA est en place, mais peut-être dans le cadre de cette SMA, une partie pour la pérennité, le préachat, qui est le nerf de la guerre. Comme vient de le dire M. Tardieu, le nerf de la guerre, c'est le préachat. C'est ça qui permet à l'œuvre de naître. Comment cette arrivée des grandes plateformes peut être combinée avec du préachat? Et puis, Google, la taxe GAFA, l'Europe, quoi. Merci beaucoup. Vaste sujet. D'abord, je voudrais vraiment remercier l'ARP pour cette initiative que de m'avoir invité. Enfin, d'abord avoir invité le commissaire, bien sûr, qui regrette... vraiment de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Madame Gabriel est vraiment passionnée et très impliquée dans ce sujet. Vous savez qu'elle a beaucoup de sujets depuis la régulation des télécoms jusqu'à la sécurité, la cybersécurité, la régulation des données, mais elle attache une attention particulière et une priorité particulière à cette question de la culture. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à lire le discours qu'elle a prononcé à la Mostra à Venise il y a quelques semaines, et dans laquelle elle a vraiment exposé son engagement, notamment dans le contexte de la préparation du renouvellement du programme Média, qui va être rediscuté pour une période pluriannuelle à partir de 2020, et donc qui fait l'objet de discussions au sein de la Commission, parce que vous savez que le budget, c'est quelque chose qui est toujours, qu'il faut toujours gagner, qui n'est jamais complètement gagné. Et donc là aussi, d'ailleurs, en passant, on a besoin de votre soutien pour ce budget qui est extrêmement important pour à la fois favoriser la diversité, mais aussi pour intervenir à différentes étapes, depuis la préparation, depuis la production, jusqu'à la distribution, et même aussi jusqu'à avoir une meilleure connaissance de l'ensemble de l'héritage et du patrimoine cinématographique européen. Alors, il était question d'optimisme et de pessimisme. Jean Monnet, quand on lui posait la question si vous êtes optimiste à propos de l'Europe, il disait « Écoutez, moi je ne suis ni optimiste ni pessimiste, moi je suis déterminé ».
Et je pense que ça reflète assez bien la position de la Commission et de l'Union européenne s'agissant du dossier culturel, et je crois qu'on l'est de plus en plus. Je pense que Émilie a fait référence aux débats qui ont eu lieu dans ces dernières années, depuis la présidence Juncker, le choc de l'élection européenne de 2014, avec la montée du populisme, et je crois que ça a engagé un véritable tournant pour la Commission, qui à la fois est devenue beaucoup plus politique, et qui a quitté peut-être, une direction très orienté sur le marché unique pour investir d'autres domaines. On voit maintenant qu'on parle de défense, qu'on parle de sécurité, de protection des citoyens. Et il est clair qu'au sein de ces nouvelles priorités pour l'Europe, la culture est centrale. Elle est centrale pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un secteur économique important, la création culturelle. Quand on regarde l'ensemble des secteurs concernés, on a des chiffres qui sont de plusieurs centaines de milliards, c'est 5 ou 6% de la richesse européenne. Mais ça, on le savait depuis longtemps. Ce qui est plus nouveau, c'est le rôle de la culture et la créativité comme un fondement essentiel de la démocratie. Parce qu'on sait très bien, depuis 2014, on a vu la montée des populismes, on a vu que nos systèmes démocratiques ne vont plus de soi, à la fois pour des raisons de dynamique interne et à la fois parce que nous avons aussi des voisins qui défendent d'autres valeurs. Et il est clair que pour une société démocratique, la créativité culturelle est essentielle. Ainsi, je paraphrase ce que disait tout à l'heure Claude Lelouch dans son visage vidéo. Je pense que c'est une société qui n'a pas peur de ses peurs. Et pour qu'une société n'ait pas peur de ses peurs, il faut qu'il y ait des créateurs qui les expriment, ces peurs, qui révèlent les tensions qu'il y a dans ces sociétés et qui puissent les révéler à la lumière, qui permettent après à ces sociétés de les intégrer. C'est aussi bien sûr un moteur de collectif. Je pense que je vais revenir sur la question de la révolution technologique qui est vraiment au cœur de la problématique du lien avec les grands opérateurs numériques. Mais il y a une deuxième révolution qui est très importante et qui a été un peu ce matin mentionnée, c'est la montée de l'individu puissant. C'est voilà, je veux voir maintenant telle chose, je veux avoir accès à telle chose. Et ça, c'est une évolution qui va continuer à l'avenir et qui nous impose de rebâtir du collectif à partir de l'individuel. Et quoi de mieux que d'avoir une œuvre cinématographique qui justement me fait penser que je puis être pour tout autre, que ce que je ressens, c'est quelque chose qui peut être ressenti par un spectateur. Donc je ne vais pas rester trop longtemps sur ce sujet, mais je pense que dans le narratif, dans le récit, et aussi dans le positionnement de votre positionnement, dans le positionnement du secteur, je pense qu'on peut être plus assertif sur cette dimension cruciale de la culture et la création culturelle dans nos démocraties. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est bien sûr qu'il y a un certain nombre de chantiers qui ont été mentionnés, médias, SMA, les droits d'auteur. Et la première étape dans notre détermination, c'est d'arriver le plus vite possible, puisque les discussions sont toujours en cours, à des accords avec le Conseil et avec le Parlement. Madame Gabriel s'y est engagée à fond. Et vraiment, pour nous, l'idée, pour justement pouvoir s'occuper d'autres questions, peut-être encore plus stratégiques, c'est de terminer ces négociations au plus vite, de manière à ce qu'elles puissent être mises en œuvre et que l'on puisse faire ce que l'on a dit, c'est-à-dire assurer qu'il y ait une similarité de traitement, quels que soient les opérateurs, que ce soit des plateformes de vidéo à la demande ou d'autres. Mais je voudrais revenir peut-être sur la question de la révolution technologique, parce que c'était intéressant, d'ailleurs, on a eu plusieurs fois des références à des dates 1895, donc le début du cinéma, 1928. Je pense que si on veut vraiment prendre la mesure de ce qui est en cours, on doit se reprojeter 120 ans, 130 ans en arrière. Parce qu'on n'a pas eu de changement aussi profond qu'alors. C'était cette floraison d'inventions technologiques, ce monde qui a complètement été changé par le moteur à essence, par l'électricité, par le cinéma. Et aujourd'hui, on est au cœur d'un bouleversement aussi profond. Et on sait très bien que dans ce type de bouleversement, il y a trois choses qui sont essentielles. La première, c'est la concurrence. C'est-à-dire que vous avez des nouveaux acteurs, alors à l'époque c'était des Rockefeller, des Carnegie, qui, bon, pour des raisons qui ont innové et qui ont un avantage comparatif extraordinaire et qui bénéficient des innovations technologiques et qui deviennent dominants. Et le débat il y a 120 ans, c'était la loi Sherman, c'était les règles de concurrence. Aujourd'hui, on est en plein dans ce débat-là. On est dans le débat comment assurer que la dominance d'un grand acteur soit encore contestable.
C'est tout le débat que l'on a, nous, à la Commission, et qui nous amène d'ailleurs à prendre des décisions fortes, vous avez pu le voir, ce qui veut bien dire que l'idée selon laquelle on ne peut pas lutter ou on ne peut pas encadrer ces structures est fausse. On l'a déjà fait il y a 120 ans, et on continue à le faire maintenant. La difficulté, c'est d'identifier les bonnes régulations. Parce que bien sûr, on a en tête Netflix, Amazon, mais vous savez que l'écosystème de plateformes en France, c'est 6000 entreprises, 40% moins de 9 employés. Alors on voit bien que c'est très... Et même quand on regarde certaines de ces plateformes, si vous prenez Instagram, quand il a été vendu en 2012, a été vendu 1 milliard, hein, racheté, c'était 13 employés. Et ils avaient 50 millions de dettes. Et ils avaient 30 millions d'utilisateurs. Comment est-ce que vous faites pour classer une entreprise de 13 personnes qui est valorisée à 1 milliard avec 50 millions de dettes ? Donc on voit bien qu'on est là devant un problème qui n'est pas un problème d'ordre idéologique ou politique, c'est un problème déjà d'ordre conceptuel. Comment est-ce qu'on fait avec ces animaux, avec ces nouveaux animaux qui sont issus de l'évolution économique ? Comment est-ce qu'on fait pour les traiter ? Et c'est là où la Commission est très active. Elle est très active, vous avez vu les décisions qui ont été prises. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi actifs en essayant de réfléchir à ne pas non plus détruire les écosystèmes de plateformes, parce que une des caractéristiques de cette deuxième révolution technologique, c'est mon deuxième point, donc le premier point c'est la concurrence. Le troisième point, c'est qu'à l'issue de cette révolution technologique, l'Europe va être située au centre de gravité ou non de l'innovation. Au XXe siècle, au début du XXe siècle, on était au centre. Aujourd'hui, si on regarde l'écosystème de plateformes, l'Europe, c'est simplement 4% des plateformes mondiales. Si on prend les 200 plus grosses plateformes, il n'y en a que 4% qui sont européennes. Il y en a une énorme majorité qui est américaine et il y en a un pourcentage plus important qui est asiatique et chinois. Et donc le sujet pour nous, c'est aussi avoir des plateformes européennes qui vont réussir à s'intégrer dans cette nouvelle économie digitale. Alors jusqu'à présent, on a quatre angles d'attaque pour envisager le rapport et l'intégration de ces plateformes dans notre économie. Donc je vous ai cité la concurrence. Il y a la question de la responsabilité des plateformes, ça a été mentionné déjà, c'est-à-dire le fait qu'elles soient responsables, plus responsables de la gestion des contenus. Je vous invite à lire la communication qu'on a adoptée le 27 septembre dernier, dans lequel la Commission envoie un signal très clair aux plateformes Internet en leur disant, écoutez, voilà, vous avez un rôle particulièrement important pour gérer les contenus illégaux et nous allons évaluer dans les semaines et les mois qui viennent, et s'il n'y a pas de résultat probant, dans ces cas-là, nous pourrions être amenés à entamer une phase plus réglementaire. Le troisième élément, c'est les rapports loyaux. On veut des rapports loyaux. Il y a énormément de situations dans lesquelles des plateformes se trouvent en surplomb par rapport à des marchands, par rapport à des applications, par exemple. Et il est important qu'il y ait des règles, que ce ne soit pas la loi de la jungle. Et dans ce contexte-là, nous sommes en train de travailler actuellement sur une analyse d'impact qui pourra conduire à des propositions qui seront faites d'ici la fin de l'année. Alors le troisième grand volet de la réaction par rapport à une révolution technologique, c'est le volet social. Bon, je ne vais pas l'aborder ici, mais c'est clair que le contrat social qui avait été mis en place à l'époque de Bismarck, bien sûr, doit être revu aussi en fonction de cette nouvelle donne. Et ça, c'est bien sûr pour les États membres à le faire. Je vous terminerai avec une seule conclusion. Peut-être un message d'optimisme quand même, parce que c'est quelque chose qui est important dans la dynamique. Je pense que la valeur ajoutée des plateformes et leur point fort, elle est double. C'est des gens qui voient très loin, qui sont stratégiques. Hein, si vous écoutez Facebook, Apple, ils se pensent déjà, Facebook se pense comme le champion de la réalité virtuelle dans 10-15 ans. Vous avez des gens qui investissent massivement sur le long terme, sur la voiture connectée, sur des nouveaux modes de consommation. Et donc, les acteurs qui pourront résister sur le long terme à ces stratégies sont ceux qui auront eux-mêmes une stratégie. Et donc, je pense et c'était d'ailleurs intéressant parce que je pense que beaucoup des discussions qui ont eu lieu ce matin avaient aussi cette ambition que de voir loin, que d'essayer de se projeter dans le futur. Et je pense que dans cette perspective, le travail que l'on pourrait faire ensemble, parce que je pense que c'est quelque chose que l'on pourrait continuer dans les discussions futures, c'est vraiment d'essayer de mieux saisir quel devrait être notre objectif final dans 10-15 ans et comment ensemble, avec l'Europe, avec les États membres, on pourrait y arriver.
J'ai quelques petites questions. On pourrait y arriver, mais dans quel délai ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie possibilité que cette Europe à 27 arrive à des solutions dans un délai raisonnable ? Parce que beaucoup de pays, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, sont des pays consommateurs et non pas producteurs de richesses culturelles pour la plupart, enfin pour un certain nombre d'entre eux. Et deuxièmement, puisqu'il faut être prospectif, y a-t-il l'idée de plateforme européenne possible ? Est-ce que le décor aujourd'hui autoriserait la naissance de plateformes européennes ? Parce que nous avons évidemment une richesse culturelle absolument formidable. Je pense que le plus grand catalogue de films au monde est peut-être en Europe. Est-ce que, voilà, dans cette perspective d'aller voir plus loin, quelle chance on a d'aboutir, dans quel délai ? Et si on n'aboutit pas, faut-il revenir à une posture où la France pourrait revendiquer, entre guillemets, une sorte d'exception culturelle dans le cadre de l'Europe, puisque l'Europe tout ensemble a été capable de se battre, becs et ongles, et Pascal est là et il s'en souvient, et toute l'ARP était présente, l'Europe dans son ensemble a été capable de sauver cette exception culturelle en face des Américains, qui d'ailleurs sont en train de la remettre en cause dans l'accord avec le Canada et avec le Mexique. Dans ce cadre-là, si la France n'obtient pas, et l'Allemagne, est-ce que techniquement, dans les lois européennes, est-ce que la France ou l'Allemagne, par exemple, peuvent revendiquer une exception culturelle dans le cadre de l'Europe. C'est-à-dire, si l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur des taxations ou des régulations en phase des grands groupes que sont les plateformes ou le GAFA, la France ne devra-t-elle pas, à mon sens évidemment, si elle n'y arrive pas, reprendre une posture d'exception culturelle ? Ce qui n'est pas possible en Pologne, ce qui n'est pas possible en Tchéquie, doit être possible en France. Alors moi je ne me positionnerai pas par rapport à ce que la France décidera de faire ou pas. À mon sens, c'est, disons que je pense que les approches devraient être effectuées au niveau européen parce que c'est le niveau d'action qui est le plus important. Est-ce que c'est possible ? Écoutez, moi ce que je constate, c'est que dans certains domaines, on l'a pu le faire. Et je veux même dire qu'aujourd'hui, le régulateur mondial de l'écosystème numérique, c'est l'Europe. En termes de neutralité du net, de protection de la vie privée, de gestion des contenus illégaux, hein, je vous ai fait référence à la communication du mois de septembre. Voilà des domaines dans lesquels, à partir d'un consensus européen, on pose des normes qui sont regardées par le reste du monde. Alors, avec d'un côté les États-Unis qui ont pour l'instant une certaine tiédeur par rapport à la réglementation, et d'autres pays, par exemple comme le Japon, qui sont très intéressés par ce qu'on fait. Donc, je dirais c'est possible, oui. Après, toute la question est de savoir comment faire profiter de cet élan en faveur de la culture, en faveur des politiques de souveraineté qui sont en cours des discussions autour du futur de l'Europe. C'est maintenant le futur de l'Europe. Je vous invite à lire le discours du président Juncker du mois de septembre, ce discours sur l'état de l'Union. Il y a le discours récent de M. Macron. Moi, je suis certain que les choses vont aller vite, notamment en lien avec les négociations du Brexit. Donc, on va en quelque sorte réinventer l'Europe et réinventer l'Europe dans des domaines qui sont plus liés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la souveraineté, à la protection. Et donc, il y a une opportunité. Alors après, la question est de savoir, est-ce que cette opportunité-là se transforme en action et en décision ? Moi, j'aurais tendance à dire, plutôt que l'exception européenne, on pourrait parler d'approche européenne, parce qu'encore une fois, on sait faire ça, une approche européenne. Une approche européenne pour protéger la vie privée des gens, on l'a fait contre quasiment tout le reste. Hein. On a décidé qu'en Europe, une valeur fondamentale pour les Européens était de protéger leur vie privée. Et c'était pas négociable. Et franchement, c'était difficile. Eh bien, on a réussi à le faire, et ça va rentrer en œuvre en mai 2018. Il n'y a pas de raison que dans d'autres domaines, on ne le fasse pas. Donc moi, je pense que le problème, il se trouve, situe surtout dans la question de la formulation. Comment est-ce qu'on formule un consensus ? Comment est-ce qu'on amène d'autres États membres, d'autres sociétés dans le Nord, dans le Sud de l'Europe, à partager cet élan ? Moi, je vais vous dire, à titre anecdotique, je le racontais d'ailleurs à Christophe tout à l'heure, j'étais dans mon bureau il y a 2 mois avec un Estonien qui me disait, voilà, actuellement on a vraiment beaucoup d'inquiétudes et préoccupations face à une soft power russe très important qui vient nous envahir en matière culturelle. Comment est-ce qu'on fait pour se défendre ?
Et donc, ça, c'est une anecdote dans une discussion dans un petit bureau à la direction générale. Mais je pense que ça peut refléter aussi le fait que dans le contexte aujourd'hui géopolitique, domestique et externe, cette espèce de sentiment que la culture européenne doit être défendue, doit être préservée, peut résonner dans d'autres capitales qu'à Paris. Et que justement, là où la France a un rôle important, compte tenu de son histoire, compte tenu aussi de sa capacité de réflexion, du vivier qui existe ici, c'est justement de penser, de s'extraire un peu de son propre cadre national pour essayer d'intégrer d'autres. Et ça, c'est le propre du comportement, disons, qui est vraiment de la sagesse, c'est-à-dire de pouvoir essayer de voir comment faire pour intégrer d'autres visions, d'autres préoccupations que les siennes propres, mais sachant que le but, à la fin, ce sera de pouvoir avoir une base commune au niveau européen. Merci. La salle a-t-elle des questions? Alors, il y a un petit chevelu, Radou, c'est ça, vous appelez Radou? Voilà, c'est lui, il va poser une question. Je ne sais pas qui c'est, mais enfin, on va le laisser parler. J'ai plusieurs questions, je vais les poser à la queue leu-leu. Tu as posé une très bonne question sur la plateforme. Si on pourrait songer, et surtout vu l'alliance de tous les CNC européens, ça ne serait peut-être pas inintéressant, effectivement, tout en tenant compte de la question de la territorialité et des exclusivités de certains territoires, mais comme on sait que tout film n'est pas distribué sur tous les territoires du monde entier et qu'aujourd'hui, avec la géolocalisation, on pourrait au moins toucher les territoires non vendus au bout d'un moment, si ça ne serait pas intéressant d'avoir une plateforme ou un moteur de recherche européen, parce que comme Pierre l'a dit, je pense que l'Europe, à elle entièrement, possède le plus grand et le plus intéressant catalogue de films, non seulement européen, mais l'Europe a la capacité, comme on l'a vu tout à l'heure, de produire énormément d'œuvres d'Amérique du Sud, Afrique, Asie, etc. Donc c'est un peu dommage dans tous les points de vue, c'est-à-dire que ces œuvres européennes ne rencontrent pas tous les spectateurs du monde entier, alors qu'aujourd'hui la technologie nous le permet, et que même pour être un peu mercantile, il y a une énorme perte de recettes sur les territoires non vendus où il y aurait énormément de spectateurs. Ensuite, j'ai une question qui était un peu le titre du débat, donc je le pose côté commission. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que l'Europe est consciente et donc elle veut soutenir, j'ajouterai à tous les critères que vous avez énoncés, le critère d'indépendance et de diversité, qui est très important pour l'Europe, et Émilie l'a spécifié. On voit bien tous les mouvements extrémistes qui naissent en Europe et qui deviennent très forts. Et quelque part aussi, je ne dis pas, ce n'est pas pour les défendre, mais quelque part, il y a un désir à la fois, on voit bien en Europe, de dialogue à la fois européen, mais à l'intérieur du citoyen, il veut à la fois être européen, mais qu'on n'oublie pas sa spécificité, sa diversité. Et parfois, on a l'impression que cette préoccupation n'est pas suffisamment importante. Et c'est justement là aussi un de nos combats par rapport aux plateformes, où pour la plateforme, nous ne sommes qu'une multitude, un marché, des consommateurs. Et c'est là où il faut, on a commencé par la directive SMA, mais où il faut être très attentif pour protéger l'indépendance et effectivement la diversité. Je vais commencer sur la première question que tu as posée, puis je laisserai Eric répondre sur la deuxième, même s'il a bien évidemment aussi des choses à dire sur la première question. Cette idée de plateforme européenne, ça c'est un sujet dont on parle souvent avec les EFAD, avec Peter. On en a aussi beaucoup parlé avec les responsables du programme Média. C'est naturellement une initiative extrêmement intéressante sur laquelle on travaille, avec quand même deux points extrêmement importants. C'est que les initiatives qui peuvent être prises en la matière doivent surtout veiller à ne pas remettre en cause le principe de territorialité des droits et d'exclusivité, qui sont des principes essentiels, cardinaux, quant à la poursuite du financement des œuvres. Donc ça, c'est déjà un premier point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Mais à partir du moment où on a réglé cette difficulté, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays européens dans lesquels on a des films, je prends les...
les États baltes, par exemple, où c'est quasiment impossible d'avoir en VOD des films de Truffaut, des films de Fassbinder, des films de Peter Greenaway, etc. Et donc, on réfléchit à la façon dont, justement, on pourrait favoriser et créer une plateforme qui permettrait, justement, d'exposer des œuvres qui ne sont pas distribuées dans les pays, dans certains pays de l'Union européenne. Alors, techniquement, c'est un truc très compliqué. Juridiquement, c'est pas simple non plus, parce que là, naturellement, il faut être en contact avec les ayants droit et être sûr, en tout cas, qu'il n'y ait pas de difficultés vis-à-vis du droit d'auteur. Mais c'est un sujet sur lequel, en effet, on réfléchit beaucoup avec Peter, avec les EFAD et avec le programme Média, pour voir justement de quelle manière on pourrait rendre disponibles des œuvres dans des pays dans lesquels elles ne sont pas disponibles. L'objectif de tout créateur, quel qu'il soit, c'est que son œuvre soit disponible le plus largement possible. Et c'est bien ça qu'il faut qu'on essaye d'encourager. Simplement, c'est un chantier, comme on dit, un peu lourd. Bon, ça marche, oui. Christophe, non, moi j'ajouterais, pas seulement en Europe, pourquoi on n'exporterait pas, c'est-à-dire pourquoi ça ne serait pas le monde entier. Et je te donne un exemple. D'une part, nous, on sait très bien qu'un film qui n'est pas vendu au bout d'un an à peu près de la sortie dans le premier pays n'est plus vendu sur un territoire. Oui, mais disons un an. Donc au bout d'un an, on pourrait libérer des territoires non vendus. Et aussi, il y a un autre mécanisme, c'est-à-dire des ayants droit, producteurs, auteurs, etc. Ils pourraient remplir une fiche automatiquement, comme nous avons des aides européennes. Nous avons des aides nationales. En échange, on devrait remplir une déclaration et au bout, par exemple, de 6 mois à 1 an, déclarer quels sont les pays vendus et quels sont les pays non vendus et libérer les droits pour ce moteur de recherche ou cette plateforme pour les territoires non vendus. C'est pas très compliqué. Juste petite remarque. C'est dommage que dans la directive SMA, dans la quota, il n'y a pas une partie de la quota pour les œuvres européennes non nationales. Parce qu'une quota qualifiée pour les œuvres non nationales européennes serait utile pour ce genre de plateforme pour faire voyager les œuvres à travers les frontières. Et en plus, on est en train de réfléchir si des systèmes comme Europa Cinema pour le monde traditionnel du cinéma ne sont pas transférables dans un monde moderne numérique. Alors la garantie d'exploitation dans le numérique des œuvres non nationales européennes, parce que ça nous touche tous. Et un film français est un film français ici, mais il est non national dans d'autres pays, alors ce sont des avantages pour tout. Alors pourquoi pas, on n'est pas à la fin de nos pensées et de nos idées, on a juste commencé. Juste effectivement, donc pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est au cœur de ce que Média peut faire. Et donc le programme Média, on aimerait pouvoir renforcer nos actions pour justement améliorer l'accessibilité des œuvres auprès des citoyens européens. Donc ça, c'est vraiment parmi nos priorités. Sur l'indépendance et la diversité, c'est vraiment là aussi au cœur de nos réflexions et de nos priorités. La diversité, elle est centrale aussi pour le programme Média et dans tout ce que nous essayons de faire. L'indépendance, il y a deux niveaux d'indépendance. D'un peu dans ce que j'ai compris, comment faire pour promouvoir les auteurs indépendants, les renforcer leur capacité à créer ce qu'ils ont envie de créer finalement. Et ça, c'est pour nous essentiel. Je pense que dans un des textes qui est proposé, il y a des dispositions justement sur les rémunérations des auteurs, par exemple, qui permet d'être plus allant à ce niveau-là. Et indépendance aussi des régulateurs. Et une des dispositions de SMA, c'est aussi de rendre les régulateurs plus indépendants, de manière à ce qu'ils aient des décisions qui soient plus déconnectées des institutionnels de chacun des pays. Parfait. Je donne la parole à Émilie Cariou pour conclure, juste avant de passer le micro à Marc Tessier qui va faire le point sur le crédit d'impôt. Donc pour conclure sur ce sujet.
Juste pour répondre à Radoum et Elianou, effectivement, ça c'était un des arguments qui avait été beaucoup employé par les personnes de la Commission européenne pour ouvrir justement les plateformes et ouvrir, mettre fin à la frontière, aux barrières territoriales du droit d'auteur, de dire oui, mais au moins en France, vous pouvez voir des films polonais, etc. Et ce que je répondais à chaque fois, c'est oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas le grand registre des droits qui me dit où un film est en cours d'exploitation à un instant T. Ça, ça n'existe pas. Donc le CNC a déjà fait un travail considérable sur le référencement des droits et le registre des droits en franco-français. Mais ça, ça n'existe pas au niveau européen. C'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Là, pour le coup, on aurait de quoi monter une belle plateforme. Ce ne serait pas très compliqué. Et si on ne le fait pas, il y a un autre acteur qui va s'en mêler à notre place. Et cet acteur, il s'appelle YouTube. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez bloquer votre film sur YouTube, vous donnez votre empreinte à YouTube. Et dans ce cadre-là, vous indiquez quels sont les territoires sur lesquels votre film est commercialisé et qui a les droits sur quel territoire. Moi, je préfère qu'on bâtisse notre plateforme plutôt que ce soit YouTube qui devienne la plateforme mondiale. Merci. Marc, je vous donne la parole. Au pupitre, Marc, s'il vous plaît. Merci de me donner la parole, j'en ai pour 5 minutes. Mais je viens parce que j'ai pensé que c'était une occasion unique de voir l'ensemble des producteurs représentés au moment où on arrive à faire le point d'une disposition qui est très connue des producteurs, mais dont l'ampleur est méconnue et qui a été mise en place par les pouvoirs publics depuis quelques années, qui s'appelle le crédit d'impôt domestique ou crédit d'impôt international, et qui est géré par une association qui s'appelle Film France. Donc je vous rappelle d'abord, si je pouvais avoir le premier transparent. Est-ce que vous pouvez passer le 2 ? Voilà, merci beaucoup. Je rappelle très brièvement que depuis à peu près 3-4 ans, le crédit d'impôt tel qu'il était conçu en France a connu une évolution tout à fait essentielle. Et vous voyez, en regardant le crédit d'impôt international, qui s'applique donc à des films étrangers tournés en France, ou le crédit d'impôt cinéma, que l'on arrive à partir d'une situation initiale avec des pourcentages de crédit d'impôt de l'ordre de 20%, maintenant à deux systèmes essentiels, le crédit d'impôt, donc 30% des dépenses éligibles, et surtout un plafond qui est passé pour le crédit d'impôt international de 10 millions d'euros à 30 millions d'euros, et surtout pour le crédit d'impôt domestique de 4 millions d'euros à 30 millions d'euros. Alors, cette politique des pouvoirs publics a eu un impact tout à fait considérable, et c'est pour ça que je pensais qu'il fallait quand même profiter de cette occasion pour en faire le bilan. En ce qui concerne le crédit d'impôt cinéma domestique que vous voyez, le nombre de projets bénéficiaires est resté à peu près stable, 128 films. Simplement, les dépenses générées en France sont passées à 780 millions d'euros, soit 200 de plus qu'en 2015. Et surtout, les jours de tournage, mais on y reviendra dans un transparent ultérieur, sont passés de 4500 jours à presque 5000 jours de tournage en France, c'est-à-dire que l'effet de relocalisation de ce crédit d'impôt a été assez déterminant. Quant au crédit d'impôt international, alors je vous demande de passer le deuxième transparent. Vous voyez ici les évolutions en termes de nombre de films agréés, 6 films, 10 films, 16 films. Le montant des dépenses générées sur le territoire national a doublé en 2 ans et est maintenant de l'ordre de 139 millions d'euros, donc un chiffre lui-même extrêmement significatif. Autre information qui, je crois, mérite d'être connue, troisième transparent, vous avez là l'évolution en millions d'euros des différentes formes de soutien et d'aide financière qui bénéficient à la production nationale. Vous voyez à gauche ce qui est l'évolution du soutien généré, des différentes formes de soutien généré par le CNC. Et vous avez en bleu l'ensemble du crédit d'impôt domestique tel qu'il a évolué au cours des 2 dernières années. Vous voyez qu'en 2016, le crédit d'impôt domestique représente une somme globale
pour les producteurs et donc d'aide à la production de 120 millions d'euros. Et c'est un chiffre qui n'est pas très éloigné du total des aides gérées par le CNC. C'est vous dire l'importance économique que le crédit d'impôt a pris dans notre activité. Enfin, quatrième transparent, il a trait au... Alors, je vais demander peut-être un commentaire à Valérie Lépine, qui est directrice générale. Simplement, il faut que vous sachiez que entre les deux années 2004 et 2016, on a un changement complet dans le niveau de délocalisation des dépenses de tournage. Et ce facteur que l'on va commenter par la suite a eu aussi un deuxième effet tout à fait significatif. Il a modifié la localisation des tournages en France de manière absolument déterminante. Valérie. Alors, encore plus exactement, il a modifié la répartition des jours de tournage sur le Camembert. En 2004, vous pouviez voir sur les premières marches du podium trois régions principales qui sont en bleu, l'Île-de-France avec 68% des journées de tournage, puis la région PACA et la région Rhône-Alpes, respectivement en orange et en gris. Suivait un peloton plutôt dispersé de régions dont aucune n'atteignait en 2004 plus de 100 jours de tournage. Cette situation a radicalement changé en 2016 puisque on retrouve notre trio de régions en tête avec toujours la région Île-de-France, mais dont vous voyez la proportion a diminué en bleu sur le Camembert, suivi de la région PACA toujours en orange et la région Rhône-Alpes en gris-bleu. Et là, on voit apparaître une part de Camembert orange qui correspond à cinq régions donc en jaune qui sont Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Centre-Val-de-Loire et Languedoc-Roussillon qui, ces cinq régions, ont réalisé et ont accueilli plus de 100 jours de tournage. Donc on voit bien qu'il y a là une nouvelle répartition des jours de tournage sur le territoire français. Ces cinq régions ont en commun d'avoir mis en œuvre des soutiens financiers et des bureaux d'accueil des tournages efficaces et structurés, ce qui veut dire que leur émergence n'est absolument pas fortuite, mais bien le fait d'une forte volonté de tournage, d'accueil de tournage sur leur région, qui s'avère totalement efficace et vertueuse, puisque c'est le mot d'ordre de ces régions et de ces rencontres. Donc, encore une fois, c'est une présentation qu'on voulait synthétique et rapide, mais je voulais profiter de ce moment-là parce que je crois que peu de personnes en avaient conscience de l'impact économique du crédit d'impôt et de la politique qui a été suivie par les pouvoirs publics, et notamment de l'efficacité des dernières mesures qui ont été adoptées. On s'est souvent et longtemps plaint du fait que le système français n'était pas un système suffisamment fort pour inciter à la localisation des activités économiques sur le territoire. On a maintenant, je crois, en 2016, et vous verrez que les tendances 2017 l'amplifient, une démonstration exactement sans ce contraire. Un dernier petit mot, oui, Jean-Yves Mirsky. Merci Marc. Oui, alors justement, sur les chiffres 2017, on a des premières indications qui nous viennent de l'observatoire trimestriel de la FICAM, donc où on observe les tournages en France. Donc, quatre données importantes. Tout d'abord, le nombre de films qui ont été mis en production au premier semestre 2017 est de 85, et je parle des films d'initiative française, hors documentaire et animation. Donc c'est un chiffre record, en hausse de 8% par rapport au premier semestre de l'année précédente. Donc ça, c'est un premier point positif. Deuxièmement, grâce au crédit d'impôt et grâce à vous, on a aussi un taux de délocalisation qui est absolument record, puisque au premier semestre, il est de seulement 15%. C'est le meilleur chiffre qu'on ait jamais obtenu depuis maintenant une dizaine d'années que l'on fait ces statistiques. Et donc c'est un chiffre que nous espérons pouvoir continuer toute l'année 2017. Troisième chose, le nombre de semaines de tournage, pour la première fois, encore une fois sur ces films d'initiative française uniquement, a atteint 527 semaines de tournage au premier semestre, ce qui est là encore un chiffre record, à comparer aux 95 semaines de tournage à l'étranger de ces mêmes films, en baisse de 30%. Donc des résultats extrêmement significatifs.
Enfin, dernière chose, je voudrais faire un petit focus sur les VFX, parce qu'il y a eu le plan du CNC, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, et là encore, on voit des résultats extrêmement positifs au cours du premier semestre, puisque l'on a des dépenses, toujours sur ces mêmes films, qui ont atteint 8 millions d'euros en VFX sur cette période, soit un doublement par rapport à la même période de l'année précédente. Enfin, pour tout à fait terminer avec les chiffres en exclusivité mondiale, on va dire, de l'Observatoire du troisième trimestre 2017, que nous allons publier dans les prochains jours. Alors, je n'ai pas encore le chiffre de délocalisation, mais les données dont on dispose montrent que l'on est sur la même tendance. Donc, on espère, je ne sais pas si on arrivera à 15%, mais on devrait ne pas en être très loin. Et on constate aussi sur les VFX la poursuite significative de ce mouvement, puisque les dépenses de films français en France en VFX sur le seul trimestre, le seul troisième trimestre 2017, atteignent à peu près 5 millions d'euros. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà, donc pour tous ceux qui auraient pu retirer de ces débats le sentiment qu'on est dans un grand domaine d'incertitude, etc., la réactivité de l'ensemble de l'industrie du cinéma en France, on vient de la démontrer, des mesures bien dosées obtiennent des résultats absolument extraordinaires. Voilà, merci beaucoup. Merci.